Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, surtout que ce soir on retrouve notre beauté, j'espère que tout le monde va bien, bonsoir Lucie, bonsoir Sébi, bonsoir Lessa, Lucie merci pour ton réabonnement, c'est trop gentil, j'ai fait des petits subs moi aussi, bonsoir Tonite, bonsoir Filante, trop contente de pouvoir être sur le live, ça fait plaisir, et eh ben ça fait plaisir de t'avoir, bonsoir à tous, bonsoir Sam, ouais. Bonsoir Emma, Nika, bonsoir. Wesh, Cassie. Mais à vous aussi, oui, salut, ça va. J'espère que vous allez bien, j'essaie de vous rattraper tous. Coucou, Cassie, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouais, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas dans les zones où il y a des soucis. J'espère que pour tout le monde, ça va bien. Et je suis ravie de vous retrouver, je suis très contente de retrouver notre beauté, notre... D'ailleurs, je vous ai mis d'abord sur un beau lever de soleil, normalement. Attendez. Voilà, il y a le beau lever de soleil. Mais dans 2 secondes... Ah non! Dans 2 secondes, on va retrouver surtout notre... J'allais dire un mot pas beau, mais notre superbe beauté. Coucou! J'ai loupé ton live de cet après-midi, trop de boulot. Est-ce qu'il y aura une rediff sur YouTube? Ah, Cassie! Ah oui, j'étais en train de me dire, j'ai pas fait de live, moi. Ah bah ouais, Cassie, oui, il y aura certainement une rediff, j'imagine. Engeltini, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir, première fois sur le live, je suis en train de finir la rediff de la semaine dernière. Oh bah bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Juju Ray, Steve Kim, bonsoir aussi. Merci Sam pour le réabonnement, 3e mois. Waouh, trop bien. Wesh déjà. Ouais, coucou Jessie. Coucou la famille, coucou à toi. Moi j'espère que vous allez tous bien. Jenny, bonsoir, première fois pour moi sur le live, trop contente. Ah, j'aime bien les premières fois comme ça fait trop plaisir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. En plus, attendez, je vous passe, regardez. Si je me trompe pas. Faites que je me trompe pas. Oui. Tadam! C'est pas beau ça. Ça donne envie, hein. Sub, 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 ouais ça. C'est trop bien. Je suis à côté de la plaque, je croyais qu'on retournait chez les vampires. Bah non, on y a été jeudi, il faut mélanger, faut changer un peu, hein. Coucou Yanni. J'ai dit Yanni, mais je sais pas vraiment si c'est ça qu'il faut dire, mais bonsoir. Défira, bonsoir à toi. Elisabeth, bonsoir. Elle est trop belle. Eh, hey, ça vous plaît hein, de la voir? Bah ça va très bien, j'espère que toi aussi. Tu peux dire Tini. D'accord, ok. Tini, c'est très mignon en plus. Tout court pour moi, d'accord. Je t'ai découvert avec ton 10K challenge, là aussi, en cours de visionnage. Eh ben écoutez, bon visionnage. Le 10K challenge, c'est loin d'être fini, et déjà, ça fait 2 ans, c'est un truc de ouf. J'en reviens pas. Nélise, bonsoir. Anne-Maude, bonsoir. Il y en a qui ont envie de voir de la beauté ce soir, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bonsoir Laura, coucou. Alison, coucou. Ça va, bon, bah tant mieux. Bon, j'ai rattrapé tout le monde. Maintenant, il est temps de voir ce que ma beauté est capable de nous faire. Ah oui, je suis en tab, forcément. Ah, bah ça va beaucoup moins bien. Alors, j'ai décidé qu'on allait lui prendre une carrière. Voilà, vous m'avez compris, vous m'avez pas compris, mais moi, je me suis compris. C'est souvent que ça m'arrive, ce truc. Arrête de danser. Tu es belle, mais à un moment donné... Ouais, j'ai envie de lui prendre une carrière pour qu'elle soit occupée et qu'elle gagne un petit peu d'argent, parce que sinon, pour refaire la maison, on va être en galère. Ça va très bien, Nika, j'espère que toi aussi. Malika Malice, coucou à toi. Adrea, sub. Alors, par contre, du coup, pour rester un peu, j'ai envie de faire un truc plutôt dans le jardin. Ça, c'est pas... Jardinière. Ouais. Je pense que c'est bien. Après, le reste, ouais, non. Jardinière. Comme ça, elle fera son jardin. On va récolter nos petits trucs. C'est très bien. J'espère que ça vous va. Nami, coucou. Kanto, bonsoir. Acheter des graines pour le jardin. Ok. Bah si on commence déjà à acheter, moi je vais gagner de l'argent. Et eux, ils veulent me faire payer. Ok, bah je vais acheter des graines alors, il n'y a pas de souci. Bon, vous savez qu'elle va pas très très bien, hein, parce que c'est pas qu'elle a de l'embonpoint. C'est quoi ce truc? Pourquoi elle a une petite queue là au milieu? Ça fait très très très. Non mais attendez, c'est très. C'est très. Attendez, c'est hyper chelou ce truc. Faut pas avoir les idées mal placées, mais c'est hyper chelou. Elle a le pompon qui dépasse. Mon Dieu.
Il n'y a pas de CC, il n'y a rien. C'est le jeu qui gère comme ça. Hein. Alors le jeu, là, pour le coup, il gère très mal. Ou alors c'est son nombril, je sais pas. Mais c'est trop bizarre. Bonsoir Barb Sims, coucou. Ça va, trop bien, je suis contente que vous ayez bien. Zazaret, coucou à toi. J'essaie de lire tout le monde. C'est un pompon, mais alors c'est quoi cette forme? Je sais pas. Je sais pas, mais vous êtes d'accord, il est trop chelou ce truc. Oh là là, ça fait flipper. Hein. Ouais, elle est enceinte, c'est du premier, ça a été rapide, je sais, mais faut faire vite. Moi, je l'aime bien, j'aime bien les moches, mais pas trop longtemps. Hein. Bonsoir Sarah Chou. Ça va bien. La vie va bien. Bonsoir à tous. Pour les futurs bébés, ils vont être beaux. Bah, j'espère, Lucie. Ah, j'ai même pas vu. Ah, ou alors, j'entends pas les alertes. J'entends pas mes alertes. Merci, Lucie, pour les 100 cheers. 100 bits. Je sais jamais. Un des deux. On s'en fout. Ah, si, j'entends une alerte là. Malika Malice, du coup, merci pour ton follow. Et Tini, merci pour ton follow. Merci à tous de nous rejoindre, ça fait plaisir. Tu peux partager ta sim, c'est la maison, s'il te plaît. Ah oui, en plus, on me l'a demandé, il n'y a pas de souci. Bah, la maison, c'est pas de moi, hein. Je l'ai montré dans le premier. C'est une maison que j'ai prise dans la galerie. Hein. Donc après, je ne vais pas partager une maison comme ça. Elle y est déjà. Par contre, si vous voulez vraiment ma beauté, on peut le faire. Hein. Attendez. Ma bibliothèque. Ah oui, mais alors attendez, si je la partage, je ne sais plus comment faire. Je voulais juste marquer. Bon, écoutez, je vous la partage comme ça ira très bien, vous n'avez pas besoin. MyNJ, hashtag MyNJ, pour votre plus grand plaisir. C'est parti. Non? C'est parti. Quoi, je suis pas connectée. Comment ça, je suis pas connectée? C'est bon, allez partager. Vous pouvez admirer sa beauté de plus belle et lui faire plein de bébés pour mon plus grand plaisir. Montrez-moi ses bébés après. Hein. J'ai pas partagé le manoir de la vampire. Non, je l'ai pas partagé. La base, elle est pas de moi. Je peux partager, faut que je fasse un petit texte par contre. Donc, faut que je pense demain à partager plein de choses. Il y a plusieurs trucs que je dois faire. Promis, Anne, je vais faire ça. D'ailleurs, je sais même pas si je t'ai dit bonjour, Anne. Oui, la maison, elle est spéciale pour l'instant. Mais c'est le challenge qu'a proposé NS. Elle disait qu'il fallait justement avoir une base de maison qui était en ruine, mais qui coûtait pas plus. Enfin bon, il y a les règles, vous les connaissez. Et du coup, bah, j'ai été chercher une base, moi. Hein. Je suis assez feignante. J'ai pas construit ma base. Electra Sims, salut, ça va bien. Merci, toi aussi, j'espère. Coucou, Jalalina. Salut tout le monde. Non, j'ai une pub. Ah bon? T'as une pub? Je sais pas comment elles fonctionnent les pubs. J'ai raté l'épisode 1, c'est qui le papa? Le papa c'est lui, Cameroun. Cameron. Faut que j'arrête de dire Cameroun, je sais pas pourquoi je veux dire... Ok, merci. De rien, Anne. Mais il faut que j'y pense. Je te jure, promis, je fais ça ce week-end. Note le NJ pour pas oublier. C'est vrai qu'il faudrait que je le note. Promis. Attendez. Je vais marquer. Je prends mon stylo, faire partage dans la galerie. Voilà. Promis, j'ai noté. C'est noté. Ça, c'est fait. J'irai voir l'épisode 1. Bah oui, il faut bien. Ah, en début de live, oui, c'est normal. D'accord. Oui, pas une pub pendant, parce que normalement, il n'y a pas de pub pendant. Bon, écoutez, j'étais en train de dire quoi? Je devais faire quoi? Je devais acheter des graines, je crois. Est-ce que je devais pas acheter des graines? Zazarette, merci pour ton follow. Par contre, j'ai un trou de mémoire, ça y est, je sais plus comment on achète des graines. Je sais plus du tout comment on achète des graines. Vous allez me le dire. J'ai une bonne cause ce soir. Oh, Maria, je suis contente. J'imagine que toi, t'es content et moi, je suis contente. Attendez. C'est ça. C'est bien ce que je me disais, Cassie, mais. En fait, c'est le pot ou l'ordi. Et du coup, c'est pas par le téléphone. Ah ouais, ok, faut que j'achète une. Bon, bah, faut que j'achète une jardinière.
Je suis même pas sûre de pouvoir en acheter une. Vous y croyez à ce truc ou pas? Ma voix va encore se perdre. Ah bah je peux acheter celui-là, c'est bon, ça passe. On va acheter ça, tant pis. Je vais être ruinée déjà. Non, je suis dégoûtée. Est-ce que je peux au moins acheter mon paquet? Oui, un lot de graines. Qu'est-ce qui est mieux? Fleurs, fruits? Faudrait que ça soit un truc qui pousse pendant la saison qu'on est. On est quoi, au printemps? Ah bah, sous-mer, j'ai pas le choix. Magique, non? Légumes. Légumes ou herbes? Ou fleurs? Achète des graines? Ouais. Même via les cadeaux. Oui, mais là, c'est parce que j'ai ma mission, donc du coup, je peux même plus. Ça sert à rien que j'attende. Fruits ou légumes? J'ai envie de faire. Légumes. Allez, on va faire légumes, parce que je crois que là, j'ai. Je sais plus quoi. Des fleurs. Des fleurs et des fruits. On va acheter ça. Hop, c'est parti. Je suis pas ruinée, ça va, il nous reste un petit peu. Première étape faite. Atteindre le jardinage niveau 2. Ça va être plus compliqué, les gars. Hein. Ça va être beaucoup plus compliqué. On va ouvrir. Allez, prions pour pas que j'aie que des champignons. Je suis maudit. Bah écoute, si t'as faim, tu sais quoi? T'as un petit truc là. Ah non, je peux même pas le manger. Bon bah nettoie. Mais non, je peux même pas le nettoyer. Bon bah garde-le sur toi. Super, je suis hyper contente. Avec ça, on va vraiment faire beaucoup de choses. Viens planter ta carotte, ma chérie. Oh, puis en plus, ça... vous voyez, c'est bien le côté maison ouverte. Elle passe par tous les trous. Et puis bah après, on va planter les carottes ici, hein. Plantons des carottes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, j'ai dit. Ouais. Et champignons, bon, même si ça rapporte pas beaucoup, ça fera toujours faire du jardinage. On enlèvera après. Hop, hop, hop. Et le reste, par contre, je vais peut-être le vendre. Je sais pas. Bah, le temps qu'elle plante tout ça, on a le temps de parler, hein? Moi, je vous le dis, hein? Oui, c'est compliqué aujourd'hui. C'est vrai que les légumes, elle peut les manger, mais elle pouvait manger les fruits. Bonjour, Alison. Oui, je les ai plantés en pleine terre, mais c'était pour les acheter, Anne. Je sais même plus si c'est Anne. Oui, c'est Anne. Je pouvais pas acheter sans le pot, tu peux pas les acheter en fait. La dernière fois, j'ai galéré, je sais plus dans quel let's play, où j'ai galéré parce que je savais plus comment acheter. Beaucoup de recherches ou lire le jardinage à la bibliothèque. Ouais. Bah déjà, on va pratiquer à la maison, puis après, on ira peut-être parler aux plantes ou faire des, ouais, des recherches, c'est bien, faire des recherches. Mais là, niveau. On est quoi? Hein, pourquoi tu es pas aussi haut que je veux, comme ça? On est déjà niveau 2. C'est bien. Elle doit accoucher quand? On en est où? Troisième trimestre dans 18 heures, ça va arriver. Angoudémonia, bonsoir. Zazareth, mon surnom c'est NJ. Donc c'est perturbant. Ça va. Bah ouais, je comprends. Hein. Moi aussi, hein, quand j'entends quelqu'un qui s'appelle NJ, c'est bizarre. Et moi aussi, c'est mon surnom d'ailleurs. C'est toi, Yann le futur. Ok, bonsoir Yann. Moi, je regarde le live sur le téléphone, c'est très petit, mais en tout cas, elle fait tomber les garçons par terre. Ouais, elle est belle dans sa tenue de Noël, hein, carrément. Oui, ben, je sais, mais si tu as envie de faire pipi, tu as des toilettes. Je sais que, bon, c'est peut-être compliqué chez toi, mais ils sont où? Attendez, j'ai perdu les toilettes. On va utiliser. Pour aller plus vite, humeur concentrée. Ah, c'est un truc, moi, ça, j'oublie tout le temps. Les humeurs. En plus, regarde, là, pour le moment, elle est plutôt humeur mal à l'aise. Et c'est souvent, hein, moi, qui sont mal à l'aise. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je m'occupe pas assez d'eux. Mais oui, faudrait que j'y pense à ça. Je ne sais pas pourquoi j'y pense jamais. Après, on va peut-être faire un petit tour le temps qu'elle accouche. De toute manière, elle travaille de quand? C'est bien, ça va nous occuper. 20 heures. Là, elle doit faire quoi? Tout arroser. Et ben après, tu iras arroser. Ensuite, elle doit manger, faire du social. Ça serait bien que son petit homme, il vienne la voir. Ensuite, on va peut-être. On a un truc là-dedans ou pas? Est-ce que j'avais cuisiné ou est-ce que je l'avais. Oh oui! Oh là là, j'avais cuisiné. Comment je suis trop bien. Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être mettre nos champignons. Je voulais les vendre, mais finalement, elle est putride. Elle, on va la vendre. Quand c'est putride, il faut vendre. Ça, on va vendre.
Ça, on m'a dit, pourquoi tu fais pas des reproductions? Parce que j'y pense pas. Et du coup, bah maintenant j'en ai fait une et je vais vendre celle-ci. Voilà, génial. Ça, on peut vendre. Je peux pas. Dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse. Oh, sinon, je peux lui mettre ses petits écouteurs. Après, il faut me dire si. Écouteurs allumés. Et on va lui faire mettre une petite musique, n'importe quoi. Hip-hop. Non, une musique. Musique du monde, si tu veux. Mais je sais pas si vous allez entendre, s'il y a trop de bruit ou pas, vous me le dites, hein. Voilà! Qu'est-ce qu'on est bien! Amis du soir, bonsoir, bonsoir, Léopold! Chez moi, à F2, je perds jamais mes toilettes. C'est étonnant. Hein. C'est bizarre. Ça y est, t'as fini de tout arroser? Ok. Eh bah ben, écoute, commence par manger quelque chose. Prends des restes. Et ensuite, on va faire le petit tour de la map. Oui. Il est 13h, elle est déjà très fatiguée. Comment ça se fait? C'est pas possible, hein? C'est Sims. Toi aussi, ils sont tout le temps mal à l'aise. Ça doit être ça, ouais, materné. C'est exactement ça. Ah, les Sims, hein, franchement. Regardez, elle s'est posée bien. Elle avait envie de vous montrer son superbe maillot de bain. Noix de coco. Oh, même les noix de coco, elles sont difformes. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Comment c'est possible? En plus, on voit bien les petites fleurs. C'est très, très joli. Admirez cette vue de profil. Je ne sais pas descendre. Laissez-moi descendre. Je veux descendre. Pourquoi? Ah, parce que c'est comme ça. Regardez. Waouh. Ça, c'est le plan qui vous fait tous rêver. Petit maillot de bain, noix de coco, mode 2020. Oh, j'avais pas vu. Elle a même un anneau dans le nez. Oh, t'es au top, ma chérie. Qu'est-ce que t'es belle. Magnifique. Ah ouais. Ah ouais. Vous reconnaissez, hein. Là, c'est talentueux. À ce niveau-là, c'est trop beau. Lucie, merci pour tes 100 bits. C'est gentil. Zazaret, j'avais même pas vu, je sais même pas si je te l'ai dit. Merci pour ton follow, je crois que je te l'ai dit, mais c'est pas grave, je le redis. Il vaut mieux l'avoir dit deux fois que pas du tout. C'est normal. Et ensuite, on va tout récolter. Comme ça va nous faire travailler un peu le jardinage et ça va surtout nous faire des sous, un minimum. Et on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Sauf que c'est vrai que j'avais oublié. Vous savez pourquoi j'aime pas faire ça? Parce qu'elle est super paresseuse, qu'elle est triste. Pourquoi t'es triste? Oui, parce qu'elle n'a pas de social. Qu'elle est triste et du coup, elle marche. Voilà. En plus, elle est enceinte, donc elle marche encore plus lentement. Admirez cette démarche. Ah, oh, c'est vrai, je lui ai même pas changé sa démarche. C'est trop dommage, parce que franchement, avec une bonne petite démarche, ça déchire encore plus. Et après, si vous voulez, on peut la mettre vue de face. Oh, bah, elle est toute grise. Ah mince, elle est un peu froid. Bah oui, mais chérie, c'est toi qui as choisi de mettre le maillot de bain. Hein. Oh là là, on dirait qu'elle est en train de faire un défilé. J'adore. Je vais changer de femme. Oui. Beautiful. Ah ouais, ouais, je sais. Arrêtez, elle va rougir. Elle ne. Quoi, qu'est-ce que tu as. Bah quoi, il est là le truc, hein, creusé. Ah bah oui, elle est mal à l'aise. Habille-toi, chérie. On peut. Tenue. Changer de tenue. Et on va se mettre en tenue d'hiver. Mais nous, ta belle tenue d'hiver que nous aimons tous. Elle ressemble un peu à ça. C'est vrai, elle ressemble carrément à ce truc. Bon, et eh ben elle va pas mieux. Donc du coup, on laisse tomber. C'est pour ça que je dis que ça sert à rien qu'aller chercher des trucs. J'ai un cadeau spécial parce que vous êtes vraiment une bonne personne. Oh, attends, chérie, j'arrive. J'arrive doucement, mais j'arrive sûrement. Vas-y, plus vite, s'il te plaît. Il a un cadeau pour toi. Ça se refuse pas, un petit cadeau. Tu es où? J'arrive. Je sais pas où il est. Ah, tu es là. Oh, m'amour. Invité à entrer. Viens, donne-moi ton cadeau. Et je te donnerai le mien. Un amour sans faille. Enfin, peut-être pas. Félicitations pour cet emploi intéressant. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Allez, donne-moi ton cadeau maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu m'offres? Vous savez maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici et. Est-ce que cela vous dérange si je reste encore un peu? Vous passez une bonne journée? Oui, non, pas tellement, tu vois, parce que j'aimerais bien discuter avec toi. Demander un conseil. Qu'est-ce qu'il m'a offert? Mais c'est nul. Je suis vraiment très triste, mais bon, ça rapporte 60 simflouzes, en fait, je suis pas très très triste. Tu sais quoi? J'ai besoin de vraiment beaucoup m'occuper.
Si tu pouvais illuminer ma vie, s'il te plaît, partager des photos. Oh, on peut partager aussi la grande nouvelle. Et ensuite, eh ben non, parce que j'ai pas de lit, mais j'ai très envie de... Ah non, j'ai pas du tout envie de divertissement. Donc on va continuer de discuter. Et ensuite, je vais aller faire une petite sieste, proposer de toucher le bébé. Oh, il va être heureux. Oh. Invité à entrer, en même temps, il y a des trous partout. Mais chut, bah oui, mais bon, en même temps, il est poli, il rentre pas, hein, même s'il y a des trous. Hein. Discute avec son chéri et au dodo. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Elle est belle comme un camion, j'adore ça. Ça fait une semaine que je suis obligée de relancer les lives sur Twitch. Ah mince! Mais non, t'as rien loupé, Nika. Elle est vénale en plus, hein. Tout pour elle, cette bonne femme. Bah écoute, à son niveau, elle est forcément vénale. Parce qu'elle peut pas attendre grand-chose de plus. Qu'est-ce que tu veux qu'elle attende, la pauvre? Pas l'amour de sa vie. Quoique, attends, il a l'air d'être croque d'elle, hein. Bon, et ben maintenant, elle va beaucoup mieux. Regardez, elle va beaucoup mieux. Elle arrive même à lutter contre sa fatigue. Ah non, elle lutte pas. Se renseigner sur les diplômes. Pourquoi? C'est un ado? Tu veux faire des études? Carrément pas. Non! Elle est partie se coucher sans que je lui. Bon, d'accord. D'accord. Et j'ai remarqué aussi, mais j'ai pas de douche. Oui, je l'ai dit déjà au dernier live, mais je le redis. J'ai pas de douche, mais j'ai pas d'argent. Alors forcément, pas d'argent, bah. Et tu laisses ton mec comme ça, en bas, alors qu'il te ramène plein de choses. Dommage qu'elle sente l'essence. Mais non, elle sent pas l'essence. Pourquoi tu dis ça? Bah ouais, elle est forcément vénale. Oh, c'est vrai, mais en plus, il faut une baignoire pour le petit. Ouais, bah, douche salle de sport, c'était une bonne idée, mais non, mais avec le petit, c'est vrai. Ou alors le petit, bah, il sera dans le même état qu'elle. Elle se renseigne sur les diplômes pour voir s'il gagne bien sa vie. Ça doit être ça, exactement. Ah, vénale, hein, complètement. Hein. Ah bah oui, elle aime les Simflouz, t'as vu la gueule de sa maison, hein. Elle n'a pas le choix, il lui en faut. Regardez-moi ça, la pauvre. Même moi, je suis triste pour elle. Et lui, il s'en fout, il est parti bouquiner dans la piscine. Alors après tout, hein, profitons au max de ce qu'il peut nous donner, c'est-à-dire un petit peu d'argent et un petit bébé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est quand même de faire des beaux bébés. Et là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est rien. On est en train de dormir. Et quand ils sont enceintes, quand ils sont enceintes, ouais, quand elles sont enceintes, c'est chiant hein, quand même. Un palace, je veux le même. Mais je te l'offre, hein, il n'y a pas de souci. Ça doit pas coûter cher. Coûter cher. Pourquoi je parle comme ça? Oui, je sais qu'elle a le trait paresseux, merci, je suis bien au courant. On est tous au courant d'ailleurs. Tiens, viens ici, utilisez, s'il te plaît, et bouge un petit peu plus vite. Se laver les mains et se laver les dents, elle ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi? L'eau a été coupée. Non! Je ne veux pas ces plans d'action, ça commence à me fatiguer. Option du jeu. Arrêtez avec ça, c'est quand même très très chiant. Je veux pas ça, je veux pas ça. Appliquer. Ch-tac, bim bam boum. Et ici, on va abroger tout ce qui se passe. Hein. Abroger. Oui, on ne fait pas d'économie d'eau, merci. Au revoir. Voilà, tout va mieux. Maintenant, je peux utiliser mon robinet ou pas. Oui! Qui c'est qui est heureuse? C'est moi. Pourquoi je me suis lavé les mains? C'est pas ça que je veux faire. Si, c'est ça. Laver les dents, laver les mains. Elle a mangé une salade, elle a déjà faim. Tu me fatigues, madame. Eh ben, prends des restes, dépêche-toi. Eh ben, écoutez, on va pas s'ennuyer avec elle, hein, je vous le dis. Hein. On va faire que de bouffer, dormir et se laver les mains. Pourquoi je la vois pas? Elle est là. Le bébé arrive dans exactement presque 9 h. Bientôt, bientôt, bientôt. Quoi, il y en a qui sont impatients? Vous avez vraiment envie de... En plus, on ne le verra pas tout de suite. Hein. Je ne sais plus du tout si les bébés, c'est très rapide le laps de temps qu'on a le bébé. Normalement, c'est 3 jours en vitesse normale, mais en vitesse rapide, je ne sais pas du tout si c'est beaucoup plus court ou pas. Parce que franchement, ça va être infernal. Et je sais que certains... Oh! Tiens, ça me fait penser, quelqu'un. Mais Aurélie, elle n'est même pas là d'ailleurs. Elle m'a dit, elle m'a parlé des traits de terrain. J'ai pas de traits de terrain sur ma maison. Non, j'ai pas de traits de terrain. Non.
Elle voulait qu'on mette des traits de terrain du genre fertile pour avoir plus de chances d'avoir des beaux bébés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou est-ce qu'on n'en met pas? Vous voyez, histoire de se dire, on se complique la tâche en ayant par exemple des jumeaux ou des triplés ou des trucs comme ça. Vous êtes pour quoi, vous? Fais-la fouiller dans une poubelle avec écologie, elle aura peut-être une chance de trouver une baignoire gratos. C'est pas dans les poubelles, c'est dans les bennes, non? Je sais pas si ça marche dans les poubelles, je crois pas, hein. Mais si ça marche, tu me le dis et à fou, on va passer notre vie dans les poubelles. C'est vrai qu'il y a un poster à vendre. Très belle observation, Anne. Vic Pasty, bonsoir et merci pour ton follow. Bonsoir, Gilles Wengray. Les bébés, ça dure 2 jours normal. Ah, ok. Non, c'est trois jours normalement. Et donc, un jour. Oh, yes. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mets des araignées sur le terrain. Mais qu'est-ce que t'es mauvaise? Tu veux que j'aie des araignées? Bah, si tu veux. Alors, on va mettre des araignées. Ok. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vie courte, c'est ultra rapide. Ne me remercie pas. Je te remercie quand même. Ça me fait plaisir! Je dis peut-être une connerie, mais il me semblerait que tu devrais avoir des traits négatifs et tu pouvais en changer un par saison. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai vu ça, que Enes, elle avait des traits négatifs, mais en fait, j'ai pas vraiment vu le truc comme quoi il fallait les avoir dès le début. Et du coup, vu que j'ai posé la maison, j'ai complètement zappé. Alors, je sais pas si ça faisait partie des règles. Dans les règles que j'ai écrites, c'est vrai que c'est pas noté. Mais, bah, dites-moi alors, justement. Bon, on a raté que 2 jours, mais en même temps, on l'a notre araignée. Regardez, elle est là. Aiden, les triplés. Ah oui, bah du coup, par contre, je peux pas mettre la fertilité. Non, les traits fertilité, ça rend pas beau les enfants. Non, c'est juste que ça te donne des triplés. T'as trois traits imposés et chaque saison, tu peux changer. Mais c'est quoi les trois traits imposés, c'est lesquels? C'est ça, il y a marqué dans les règles, normalement, il y a marqué qu'on peut changer de trait de la maison une fois. Attendez. Il doit y avoir les traits. Non, ça c'est pour la personne. Vous devez garder ce terrain pendant toutes les générations. Vous n'avez pas le droit de changer. Vous n'avez le droit de changer qu'un seul des traits de la maison par saison. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas marqué quel trait il faut avoir. C'est ça. C'est ça le truc. Bonsoir Weka. Cuisine de chef, s'il te plaît. Quoi. Donc du coup, effectivement, on peut changer qu'un trait par saison, donc on peut partir sur des traits qui sont négatifs. Mais le souci, c'est, bah, je vous laisse libre de me dire quel trait on met pour le départ. Donc peut-être pas fertile justement parce que, enfin, je sais pas si c'est, je sais pas. Franchement, personnellement, je ne sais pas si c'est positif. Hein. Parce qu'avoir des triplés, ça ne va pas du tout être positif. Mais on a déjà choisi les bestioles. Atta, je cherche. Oui. Tremblement. Ah ouais, carrément. Tremblement de terre. Mais non, mais vous êtes des fous. Mais dans une région comme ça, un tremblement de terre, carrément? Oh là là. Attends. Lilana Kunoï. Salut à toi, je suis désolée pour ton pseudo, mais bienvenue. Cassie va te trouver ça, t'inquiéter. Je m'inquiète pas. Lina, merci pour ton follow. J'attends Cassie. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai un peu passé ce passage-là. Et j'ai complètement zappé de mettre des traits négatifs. Mais non, mais ça serait mieux là qu'on se mette des petits traits négatifs. Bah, ouais, elle le marque pas, mais elle avait mis des traits, bah, je pense, bestioles, je crois qu'elle avait mis dégoûtant aussi, et je pense qu'elle avait mis, je sais plus. Stuff 13, merci pour ton follow, bienvenue à toi. En tout cas, elle a pas mis Fantastic Sol, hein, ça c'est clair. Esprit fantôme, attendez, j'ai pas. Ouais, non mais je crois qu'Assix, c'était. J'avais regardé son premier épisode justement et elle avait les traits mais elle n'en parlait pas. Alignement cosmique.
Bon, alors, est-ce que... Attendez, j'arrive pas à vous suivre. Tuk-tuk-tuk. Bon, j'ai vu tremblement de terre. Vous êtes vache avec moi, je vous le dis tout de suite, franchement. C'est celui-là, hein, je crois. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, j'allais me mettre un truc... Voilà, c'est ça. Ok, vous êtes hyper sympa avec moi. Donc ça, c'est tremblement de terre. Et alors, alignement cosmique, allez NJ, je sais pas, on va voir Léopold. Coucou Lina, donc. Esprit fantôme. Je vais aller voir sa vidéo si elle précise à la parole. Dégoûtant comme très... Ouais, je crois que c'était ce qu'elle avait mis. Coucou Lina. Au terrain inondable tant qu'on y est. Eh, mais attends, terrain inondable, c'est... Attends, mais je suis folle, mais ça existe. Non, ça n'existe pas. Je sais plus maintenant. Cathy, au fait, t'es là, j'ai vu que tu m'as parlé des assiettes dans la poubelle, j'ai zappé. Il y a trop de messages, j'arrive plus à suivre. Dégoûtant, c'est super retrouvé. Ouais, oui, non, c'est pas super, mais oui, j'ai. Ouais, je crois que c'était répugnant qu'elle avait mis. Bonsoir, Coconut. Et oui, on peut aussi trouver les choses dans les poubelles comme dans les bennes. D'accord, ok, merci, Cathy. Gremlins. Non, Gremlins, c'est vachement avantageux. Et coucou, Linou, je t'avais même pas vu. Gremlins, c'est vachement avantageux. En fait, ils te réparent. Ah non, non. Attends, je sais plus. Les Gremlins, c'est ceux qui te réparent les trucs, je crois. Attends, j'ai un doute. Ah non, oui, je confonds avec les gnomes. Oui, les gnomes réparent, les Gremlins bouffent tout. D'accord, ok. Bon, alors écoutez, gnome. Non, il n'y a pas. D'accord, ok. Parce que moi, je cherchais. Maudit, c'est marrant. C'est quoi, maudit? Maudit, c'est marrant. Maudit, maudit, maudit. Écoutez, je crois qu'on va faire entre... Je vois pas maudit. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus. En plus, je sais plus où j'en suis. Ah bah non, ils sont tous là, je suis con. Oui, ça m'arrive d'être très très con des fois, mais c'est souvent comme ça. Alors j'ai le choix dégoûtant, les Gremlins, je l'ai pas bien dit, hein, mais c'est pas grave. Lieu d'études, lieu de fête, lieu des lumières. Ah ouais, maudit. Bon. Ok. Alors, maintenant vous allez voter entre répugnant, maudit. Et Gremlins. C'est vous qui voyez. Soit le Gremlins. Ah, j'aime pas le dire ce truc, en plus c'est chiant. Il casse tout. Soit maudit, beaucoup de choses semblent mal tourner. Soit répugnant. Les Sims se risquent d'avoir la nausée lorsqu'ils mangent, boivent et utilisent la salle de bain. Je reviens, à tout à l'heure. C'est Lina. Ah, Lina! Premier live, bienvenue. J'espère que t'as une bonne co et que ça marche bien. Maudit, maudit, répugnant, Gremlins. Oh là là, maudit, maudit. Ah, j'ai l'impression de voir plus de maudit, maudit, maudit. Je vais rester sur ce que je vois. Répugnant, on va t'aider un peu quand même. Eh ben, ouais, mais je crois qu'on est sur du maudit. Le maudit est passé en tête. Il est où? Ça y est, je l'ai encore perdu. Je l'ai encore perdu! Non! Si, je l'ai perdu, je crois qu'il est pas là. Pourquoi j'ai une petite tête comme ça? Répugnant, maudit, il est là. Ok, c'est parti. Bon, bah, on est loin de faire trois bébés. Mais on est maudit. Maudit, maudit, maudit. Ouais, apparemment. Ah, Linou. Linou est... Ouais, c'est vrai que c'était une bonne idée. Avec le Gremlins, on aurait pu augmenter le bricolage. Mais ça sera pas ça. Désolée pour Cathy et Lina. On part sur du maudit. Bonsoir, Maxence. Et c'est parti. Vous êtes prêts à souffrir? Pas moi. Mais c'est ce qu'on va vivre. C'est parti. Mange, ma chérie. Tant que tu peux, elle va avoir la nausée, bien sûr. Non, parce que nous ne sommes pas dans Répugnant. Nous sommes dans Maudit. Qu'est-ce qui va mal tourner? Oh, j'espère qu'elle va pas faire une... Oh, bah... nettoyer. Nettoie ça. Nettoie ça. Allez, allez, allez. Il faut. On nettoie. Et ensuite, on va le faire dodo dans son plus beau lit. Avec le petit poster qu'on aurait pu vendre. Mais pour le moment... Eh ben écoutez, c'est pas grave. Ça fera juste des sous en plus pour le prochain épisode. Faut que je me fasse ce challenge. Bah, tente, écoute, moi, j'avais jamais osé. Et franchement, bah, c'est marrant. Tu vas garder Cameron pour la seconde grossesse? Non, pas forcément. C'est plus sympa d'en avoir de plein.
comme ça, on se donne une chance, si jamais il ne fait pas des beaux bébés, d'avoir un beau bébé. Et puis, j'ai envie qu'elle aille voir partout, tu vois, qu'elle découvre la vie, qu'elle découvre les hommes. Non, alors toi, non. Puis en plus, je ne peux pas fermer la porte, c'est un peu chiant. Mais bon, après, si tu veux, on peut se rencontrer. C'est pas grave. Au point où on n'est pas à ça près. Hein. Rencontrer Vlad, tout va bien. Elle peut prendre un congé. C'est super. Bah déjà, elle va aller aux toilettes. Tu as une idée du prochain? Non, pas du tout. J'en ai aucune idée. Oh non, non. Bah non, attends, on verra. Déjà, ça dépend qui on va rencontrer. En plus, déjà, on a quoi? Puis, qui se laisse draguer? Parce qu'on en a rencontré, mais il y en avait certains, ils n'étaient pas du tout open. Hein. On se demande bien pourquoi. Je sais pas du tout. Ils étaient peut-être pas intéressés par son petit visage d'amour et angélique. Regardez cette beauté. C'est une toute beauté. Oh, que tu es belle, ma chérie. Et encore, je pense que j'aurais pu la faire encore pire. C'est vrai qu'on a été gentil. Je pense que j'ai été très gentille. J'étais en train de discuter avec vous, j'ai pas fait attention. Mais je pense qu'on pouvait encore plus modifier la base de ses traits. Et j'ai peur que ça soit trop facile. Non, elle est quand même pas très très belle, mais... Surtout au niveau du corps, elle est bien disproportionnée comme il faut. C'est tellement bien décoré cette chambre. Oui, c'était tellement bien décoré. Beaucoup de goût. J'en suis où? J'en suis qu'elle a, elle a un petit creux. Oh, comme toujours. Tu veux pas aller manger une petite carotte? Tiens, viens tout récolter d'abord. On récolte tout. Pardon. Oh, alors attendez. On va au travail ou on travaille depuis la maison? Oh, je sais pas. Pour la première fois, je vais travailler depuis la maison. Mais c'est nul ce que je viens de faire. J'aurais mieux fait de travailler au travail. Non, j'aurais voulu me libérer, mais je suis trop nulle. C'est pas ça que je voulais faire. Une chance au gratta d'une chance au tirage. Bon, je sors. Exactement, on verra bien. Et le roux, tu l'as jamais vu chez toi? C'est lequel, le roux? Ah, lui. Oui, non, je crois que c'est pas un PNJ de base. C'est un PNJ lambda. Je l'ai croisé au bar, je crois. Mais il est peut-être plus beau en photo qu'en vrai. Hein. Le bien le plus précieux de cette ruine, c'est les toilettes. Exactement, je pense que c'est ce qu'elle pense aussi. Hein. C'est la seule chose qui nous reste. Mais 327 simflouz, pour le moment, on n'est pas prêt de poser juste un mur, quoi. Des traces jaunes au-dessus des toilettes. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la lumière, non? C'est... Mais vous êtes nuls! C'est pas la lumière? Mais c'est la lumière! Quoi? Vous pensez qu'elle a fait pipi jusque-là? Mais non, je crois que c'est la fonte de la lumière. Vous avez des idées, tous les deux? Non, mais franchement... Oh là là! Vous me fatiguez! Bah si, j'ai vu. Tu pourrais me faire un logo de la chaîne d'Angie, si c'est possible? Oh. Mais non! Bah, dis rien. Bah oui, j'ai rien vu, non? Mika, j'ai fermé les yeux, t'inquiète, je regarde pas. Bon, et bah tiens, je regarde même pas ma Sims, d'ailleurs. Ça y est, c'est bon, t'as fini ton jardinage, on est contente. Qu'est-ce qu'on doit faire? Acheter des graines pour le jardin? Non mais vous rigolez ou quoi, je viens de le faire? C'est toujours la même chose qu'on fait? Bah, on rachète des graines pour le jardin. Alors ce coup-ci... pourquoi j'ai que ça? Comment ça j'ai que ça? Pourquoi je peux acheter que des... Ah oui, bah parce que j'ai cliqué sur l'ail. J'ai rien dit, autant pour moi. Et je vais repartir sur... des fleurs. Parce que les fleurs, il y en a certaines qui valent cher. Merci, on est contents, on a fini notre mission. Et donc, on va ouvrir notre sachet. Et ma chérie, tu vas planter en cours beaucoup de fleurs. Allez, on y va. One, two. Pourquoi à chaque fois je compte en anglais? On s'en fout de compteur d'anglais. Hop, allez, et on plante. Planter. Planter, c'est la vie. Planter la petite graine. On la plante. Nous aussi, on plante la petite graine.
Allez, vas-y. Si je pouvais vous montrer ma Sims de mon challenge, on pourrait en débattre de leur beauté. Ah ouais? C'est que tu dois avoir fait du lourd là. Bonsoir, Foki. You are bilingue. Ouais, carrément. Toi aussi, à ce que je vois, hein. Ou alors c'est ton clavier qui est pas bilingue. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'ai oublié mes grenouilles. Exact, exact. Mais je l'ai fait tout à l'heure. Mais en même temps, il faudrait que j'aille en chercher d'autres. Et en fait, elle ne veut pas. 10, 10, 10. Waouh, super. On est content. 30 champignons. Oui, on va vendre. Super. 25 machins. Oui, on va en mettre dans le frigo. Génial. 8. Oui, on va faire ça. Et 35. Ouais! On est riche et on a toujours notre truc poulet rôti et j'ai toujours pas de poubelle. 542. Oh là là, c'est le début de la richesse, hein, moi je vous le dis. Hein. On y va à fond. Little Moon, bonsoir et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Envoie-lui ta Sims, comme ça ils seront meilleures copines. Grave, elle a besoin d'une copine. Elle veut parler, échanger des conseils de beauté. T'inquiète, c'est juste que je sais toujours pas écrire. Non, mais je m'inquiète pas, t'inquiète, Léopold. Moi non plus, je m'inquiète pas, t'inquiète pas. On s'inquiète pas, mutuellement, on s'inquiète plus. Eh bah écoutez, c'est bizarre, elle a toujours envie de manger. T'es sûr que t'as pas envie d'accoucher, à un moment donné? Accouchement dans. Accouchement imminent. Faites le décompte. Prendre des restes. Allez, viens, chérie, on y va. Elle a pas l'air grosse, elle a l'air difforme, en fait. C'est ça, le truc. Franchement, je sais pas, elle a un bide chelou avec sa... Avec sa boulette au-dessus. Cette robe-là n'est pas conçue pour être enceinte. Oui, bah sois pas vénère quand même. Hein. Chacun sa gueule. Hein. Toi, t'as la tienne et nous, on a la nôtre. Voilà. Et on sort les noix de coco. Par contre, faut que t'arrêtes à chaque fois d'aller dans la piscine pour manger. Hein. Elle est paresseuse. On le sait que t'es paresseuse. On le sait. D'ailleurs, quand on a des enfants, je sais pas si... Je m'en rappelle plus du tout. Les enfants, au niveau des traits, si on est libre de faire ce qu'on veut ou pas. Mais je crois pas avoir vu de trucs comme ça. Je ne crois pas avoir vu d'infos à ce sujet. Donc je crois qu'on peut librement vaquer à nos envies. Bonsoir Virginie, comment tu vas? Ouais, il va falloir un prénom, effectivement. Et j'ai pas de prénom, j'ai pas du tout d'idée. Une piscine de vin rouge, mais... C'est la première chose à quoi tu penses quand t'arrives, c'est de voir ça, c'est piscine au vin rouge. Oui, l'aléatoire de traits. Après, t'as les aspirations, par contre, t'as pas... Alors ça, je comprends pas pourquoi t'as pas l'aléatoire sur les aspirations. C'est un truc... je pige pas. Oui, la piscine est un peu... Et encore, on aurait pu la voir verte, mais non, on l'a rouge. C'est comme ça. C'est un style. Et puis, bah maintenant, on retourne voir notre meilleur ami qui est... Le toilette, bien évidemment. Oui, c'est parce qu'elle a des bouffées de chaleur. En pleine... Ah non, ça va, c'est pas l'hiver, c'est le printemps. Elle s'appelle Annabelle. La pas belle. Non, c'est quoi son nom de famille? C'est... Oui, c'est ça, la pas belle. Moi, je dis les prénoms vieux et moches, c'est fort adéquat. Ouais. Alors, après, oui, ça dépend le prénom. Moi, je connais pas trop les prénoms. Puis j'ai trop de mal à trouver des prénoms. Je mets trop de temps. Ouais, c'est vrai. Faire une vidéo découverte avec vos Sims moches. Oh là là, merde. Je plonge direct dans la piscine. C'est ça? Quelle jolie maison bien aérée. Ah bah oui, bon, moi, ça pue pas. Hein. Ça sent bon. Hein. Regarde, elle aussi, elle est heureuse. T'as besoin de social? Écoute, pour le moment, ton copain n'est pas là. Par contre, ah non, tu peux même pas parler avec elle. Eh ben non, parce que tu n'y connais rien. Alors fais des recherches. Eh ben fais des recherches. Fais des recherches. Et fais des recherches. Et fais des recherches. Et nous, on attend que tu pondes. Voilà. L'aléatoire pour les aspirations, mais quelle bonne idée, je n'ai jamais pensé. C'est vrai? Ah, mais moi, c'est parce que tellement j'ai besoin d'aléatoire que c'est la première chose que j'étais trop contente et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas là? Archibald. Ah, c'est pas mal.
Ah, par contre, après, pour le prononcer le truc. Non, mais c'est bien, j'aime bien ça. Lucien. Pétronille. Oh là là. Ah ouais, vous êtes dur avec moi. Ah bah Maxence, écoute, si je te donne envie de jouer, moi j'ai envie de te dire, va, mais joue en même temps. Tu mets en fond ma petite voix et en même temps tu joues. C'est ça qui est bon. Oh non, c'est dégueulasse. Cette beauté va nous pondre un grumeau. Peut-être, écoute, je sais pas. C'est tout ce que j'attends de voir. Le seul truc, c'est que franchement, les bébés, on voit rien. Alors, on va encore devoir patienter. Même le bébé, une fois arrivé, eh ben, on va patienter. D'ailleurs, on accouche où? À l'hôpital ou à la maison? On fait quoi? Je sais pas, moi. Ploto. Ploto, c'est un prénom. Ils sont pas assez moches, vos prénoms. Ah bah, Cassie, on attend tes Pétronille. Oui. Oh, Pétronille. Sale temps. Et ça, le temps, t'as été voir sur Internet. Pétronille. Je connais même pas, j'ai jamais entendu ce truc. Embrasse alors. Pétronille. Viens te coucher. Pétronille. Brumi. Brumi. Je sais même pas comment le prononcer, Hayden. C'est exactement ce que je fais. Je t'écoute en jouant. Et ben voilà, c'est parfait. Maison, maison, quoi? Weka, c'est quoi maison? Tu nous passes un message ou t'as vraiment envie de donner un prénom? Pétrole. Mais c'est quoi ces trucs? Mais Weka, tu sors quoi d'ici? Mon Dieu! J'ai oublié de dire Guy Leroy du 22, merci pour ton follow et bienvenue à toi. On est en train de parler de beauté et de prénom. C'est trop bien. Polo, Balthazar. Polo, c'est mignon, Jalalina. Pétronille. Ok, bah, notez-le, faut me le ressortir au moment où... Mirabelle. Mirabelle, j'aime bien. Cunégonde. Ah bah, ça, c'est le classique, Cunégonde. C'est vrai que Cunégonde, c'est une base. C'est la base de la base. Bon, ça y est, tu t'en sors ou pas? T'as toujours pas augmenté. Hein. T'augmentes pas beaucoup. Hein. Ah, en fait, c'est bien les recherches, mais franchement, ça augmente pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Parce qu'elle a déjà de nouveau envie de... Le toilette, mon meilleur ami, franchement. Je n'en peux plus de ce toilette. Et ensuite, il faudra qu'elle se lave les mains, qu'elle se lave. Et elle est triste, il faudra qu'elle parle. On va essayer de taper quelqu'un dehors. Enfin, de le taper et de le toper, surtout. De le taper. Attends, t'en vas pas. Regardez-moi cette démarche en avance rapide, c'est encore pire. Oh, t'as une sale tête. Elle est partie! Trop tard. Eh ben écoute, au prochain, au suivant. Ah, ils sont tous partis, ils ont eu peur. Bonjour monsieur, j'arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, attendez, j'arrive, j'arrive. N'ayez pas peur. Petit garçon, n'aie pas peur. Ah non, il s'enfuit. Il m'a vu, il a fait oula, oula, oula. Bonjour monsieur. Oui, voilà, alors nous voulions discuter un tout petit peu, imiter les sirènes. Ok. Alors, si c'est une imitation de sirène, j'ai pas tout compris à la vie. Discute, discute, discute. Il s'en fout complètement. Aussi disputer, non, non, non. Illuminer la journée. Vas-y, je veux juste discuter. Raconter une histoire ou un truc comme ça, là. Qu'est-ce que tu me fais? Se renseigner sur la carrière. J'arrive pas. J'arrive pas à aller aussi vite qu'eux. Il y a trop de choix pour moi. Oh, il lui touche son bébé. Ah, je vous ai pas suivi. Freinet, Gonde, Mocheline, Églantine. Ah, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs qui sont bien. Hein. Apollon. Oh, mais Wicca, c'est bien, Apollon. Clarabelle, comme la vache. Mais c'est pas Clarabelle, la vache? Attends. Non, non, il s'enfuit, je le savais qu'il allait se tirer. Non, attends, j'ai pas fini de parler avec toi. Attends, c'est Marguerite, la vache, pour moi. La vache, c'est Marguerite, non? Je connaissais pas Clarabelle. Attends, tu veux pas retoucher mon bébé encore une fois? Tu l'as pas assez touché. Viens toucher mon bébé. Je passais pour une ouf. Touche mon bébé. Je t'ai demandé de toucher mon bébé. Ah, ça fait peur quand je dis ça. Mon Dieu, quelle horreur. Bertie. Bah Bertie, je trouve que ça c'est plutôt, c'est pas. Bon, mais voilà, comment. J'hésite vachement. Attendez, j'essaie de vous lire, mais mon chat, il veut pas remonter. Lucifer pour un garçon, ça serait marrant pour dire qu'il est un diable. C'est vrai. Lucifer, c'est bien.
Mocheline. Ah bah là, Mocheline, au moins, on a bien compris, hein. Ou Miraprune. Oh, vous en avez des idées? C'est ouf. Freya, ok. Ikranos. Ikranos, tu dis ça comme ça? Ouais, c'est... Là, pour le coup, c'est hyper original. Si t'as assez de poids, tu peux mettre vessie d'acier, très 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 très, jeter une boisson. Non, carrément pas. Je veux pas jeter une boisson, je veux discuter. Tiens, je vais t'effrayer, pour le coup, je vais t'effrayer. Attends, toi, beau gosse. Non, non, en fait, t'es pas si beau que ça, mais viens quand même. Kika off, je suis désolée, j'ai mis 2 minutes avant de réagir. Mais merci pour ton follow et bienvenue à toi. Je vous rattrape pas du tout, j'arrive pas. Vessie d'acier, je sais pas si j'ai si j'ai des points. Attendez, est-ce que j'ai des points? Boutique de récompense, c'est ça, hein? Non, 150 points, j'ai vraiment pas assez de points. Ah, c'est la chérie de Dingo! Ah, wow. Ah ouais, bah alors là, vous m'apprenez des trucs. J'espère qu'elle va nous faire des triplés. Merci, Nika. Merci. Pas moi, franchement, j'espère pas. Parce que déjà que là, elle est enceinte, j'ai du mal à gérer. Et de vous parler en même temps et tutti quanti. Vous m'avez compris. Retouche mon bébé, s'il te plaît. J'ai vraiment envie que tu touches mon bébé. C'est la seule truc qui vient tout le temps, là. C'est chiant. Je sais pas, dis-moi autre chose. Conversation profonde. Je peux te complimenter ta tenue aussi, je l'ai vue. Voilà, on peut faire d'autres choses que parler. Il va devenir. Il va se poser beaucoup de questions quand même. Pouf. Ah. Ah oui, Lucifer, le beau gosse de la série. Ah oui, ça peut prêter à confusion. Mais il y a des beaux Lucifer et il y a des moches Lucifer, et voilà. Rédulus, Severus ou Sextus? Oh là là, on est parti chez Dragibus, là. Le dernier est un vrai prénom. Ok. Imkesium, je ne sais pas comment on dit. Bonsoir, j'ai raté quoi? Juste tout petit peu. Pas grand-chose. On n'a toujours pas accouché, on est juste en train de s'occuper d'elle et de discuter. Ikranos, je l'ai bien dit. Waouh. Furoncle. Oh, excellent, Furoncle. Alors là, c'est bien dégueu quand même, hein. Diablotin. Oh, c'est tout mignon, même Diablotin. Bertrude. Ouais, pas mal, Bertrude. Putride ou Futide. Ah oui, c'est bien ça aussi. Putride ou Futide. Tutti quanti. C'est moi qui dis ça. Elle va s'endormir. Bah oui, bah voilà. Bah au moins, comme ça, j'ai réussi à vous. Cucus. Oh mon Dieu. Bon, j'ai essayé de vous rattraper. Carniche? Carniche. Oui. Après, ça fait pas très prénom tout ça. Bon, de toute manière, elle fait pas très humaine en même temps, j'ai envie de dire. Donc, va dormir. Allez, dormir. Et puis là, je pense que le bébé arrive. C'est obligé que le bébé arrive. Attendez. Attends. Laissez-moi. Accouche-dents. Hé! Non, mais j'ai rêvé ou quoi? C'est lui qui m'a pété mon évier? Oh là 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 là, on peut plus compter sur personne, hein, nos jours. Viens réparer au moins, je sais pas, un minimum de pitié, t'as vu que je suis enceinte, tu vois que je galère, et toi tu fais rien. Non mais franchement, pour la peine moi j'aide ma Sims, hein. Vous m'en voulez pas? Ah non, vous allez pas m'en vouloir parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis pas au bon étage? La meuf elle arrive même pas. J'ai cru que l'évier allait me résister comme ça encore pendant longtemps, mais non, hein, quand même. Hey, sweet, bonsoir. Coryza, typhus. Non, il y en a eu... Crotine. Mais... Non, il y en a eu certains, j'ai bien aimé, mais j'ai déjà oublié. Mais c'est pour ça, arrêtez, arrêtez. Parce qu'il y en a certains que j'ai bien aimés. Je sais plus lesquels. Je les ai perdus. Il aurait fallu que je les note. Je sais plus. Je sais plus. Vous avez donné trop de trucs. Ah là là, pour que je les retrouve au milieu de tout ça, mais comment vous voulez que je fasse? Je peux plus. J'arrive pas. En plus, c'était dans les derniers. Il y en avait. Bon, écoutez, de toute manière, il faudra vous y mettre quand le bébé est là. Vous êtes en avance, là. Regardez, pour le moment, elle n'est pas prête à accoucher. Elle a toujours son petit pompon au-dessus. Bon, vas-y, elle va dormir. Mais elle n'accouche pas. Mais elle va bientôt y aller, hein.
J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé d'aller. J'avais oublié ce détail. Ok, tout va bien, t'inquiète pas, chérie. Recouche-toi, dormir. Non, mais n'aie pas peur. C'est ça? C'est ça quoi? Il y a marqué c'est ça? Ou j'ai rêvé? Tout le monde dans la baignoire. Cassie, elle est prête pour un tremblement de terre. Elle sait où il faut se planquer. Tous dans la baignoire. Bon, du coup, on va à l'hôpital. Attends, viens, répare ça avant d'aller à l'hôpital. Bon, elle a jamais ré rien réparé. Elle va jamais y arriver. Si? Ouais, si, tu gères, tu gères, tu gères, tu gères, tu gères, tu gères. Allez, 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 allez. Ma Dory préférée. Mais carrément, mais en même temps, vous avez vu, vous m'en avez mis plein la tête. Pourquoi faire le tour du lit pour se recoucher? Parce que c'est un Sims. Voilà. Oui, elle va pondre. Et c'est maintenant qu'on va avoir besoin. Elle n'a pas réparé l'évier. Ma Sims est tellement pas douée qu'elle n'a pas réparé l'évier. Franchement. Bon, bah ok, fais pipi, hein. Elle a un petit peu faim. Bon, est-ce qu'on se casse à l'hôpital ou pas? J'espère un garçon. L'hôpital, je vous garantis pas que ça bug pas, c'est ça le truc, hein. Et bonsoir, Dark Céline. Mais après, si vous préférez l'hôpital, vous me dites. Et sinon, on reste là et on le fait là. En attendant, elle répare avec ses petites chaussettes jaunes. Elle est trop belle. Oh, qu'elle est belle. Go hôpital, hôpital. On va être serré. On va être serré quoi? À l'hôpital? C'est bon. Chez elle. T'arrives juste avant l'accouchement, nickel. Ouais, trop bien. Hôpital pour les besoins. Ah, je savais pas que ça faisait quelque chose. Bon, bah écoutez, on va accoucher à l'hôpital alors. Enlever la nourriture gâtée. Ben non, tu peux pas. Parce que, en fait, tu ne peux pas. Comment on fait pour aller avoir un bébé à l'hôpital? Eh ben écoutez, c'est parti. Allons à l'hôpital, voir si tout bug. Est-ce qu'on emmène Cameroun? Oh, Cameroun, il est tout nu. Oh, on va emmener Cameroun quand même. Faut qu'il assiste à ça. On peut pas le laisser. Faut que quand même il découvre son bébé au même instant que nous. Il va nous soutenir. Oui. Le gynéco va faire un infarctus. Grave. Oh. Bonjour. Allez, on y va. Lui, il panique et nous, on y va. On est à fond dedans. Attends, chérie, tu t'inscris même pas là? Direct. Non, elle connaît le chemin. Elle sait où est sa place. Ah non, tu vois, tu sais pas où est ta place. Bah oui. Elle est un peu concon hein, quand elle s'y met quand même. Hein. Bah oui, ma chérie, déjà, faut commencer par venir ici et commander. Mais non, je ne vais pas commander, je veux m'inscrire. Excusez-moi, madame. Se présenter au bureau d'accueil. Reviens ici. Gertrude. Je crois que c'est ça que j'ai bien aimé, Gertrude. J'ai encore dit Cameroun. J'ai encore dit Cameroun, c'est vrai, j'ai dit Cameroun. Ah! Je dis tout le temps Cameroun. Cameroun, Cameroun, Cameroun. Cameroun. Par contre, elle fait quoi? Mais non, mais elle est en train d'accoucher avec le mec et elle m'a pas appelé. Bon, bah non, alors laisse tomber. Bon, bah c'est déjà parti. Cameroun, viens ici, viens assister au plus gros accouchement de ta vie, celle de ta future femme. Je suis pas sûre qu'il apprécie. Lève-toi, caméra. Regardez ça. Bébé va bientôt arriver. Vous avez bugué, les gars. J'ai mis pause. J'ai mis pause. J'ai pas mis pause. Non! Parce que c'est une fille! C'est une fille! Un nom de maladie, herpès. Oh! Trop bien! Oh, Tony, voyons. C'est sale ce que tu viens de dire. Cameroun, c'est mignon comme surnom. Mais non, mais c'est horrible. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah écoute, Léopold, tu vois, hein, comme toi, moi, le père s'est cassé. Je ne sais pas du tout où il est. Je pense qu'il a eu très, très peur. Clamédia, je sais même pas si j'arrive. Clamédia. Clamédia, t'imagines je... Non, herpès, c'est pas mal, hein. Fétide. Mais après, moi, c'est vrai que j'étais très dans Gertrude, hein. Pétronille. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure, non? Pétronille. Pétronille. Ouais, vous m'avez dit Pétronille, je crois. Allez, on fait sur Pétronille. Vous en faites pas, on va en avoir plein des enfants. Gardez-moi tout ça. Pustule. Oh, ah, j'adore. Pustule. Pétronille. La pas belle. Mocheline. Mocheline, c'était bien aussi. Covidia. Clitorine. Mais oh!
C'est horrible. Bon, allez, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un. Yes. Oh, j'ai eu peur. Mon cœur a failli faire un arrêt pendant 2 secondes. J'ai cru qu'on en avait un deuxième qui se posait. Eh, non mais regardez-moi ça, par contre, là, pour le coup, elle est trop belle. Touche pas. Touche pas, bébé. Touche pas, bébé. Bah ouais, là, elle est toute mimi. Mais rêvez pas, elle ne le restera pas. C'est très triste. Franchement, on n'arrive pas à y croire qu'elle sera moche. Bah ouais, ça va pas durer. Ça va être de pire en pire. Fais-lui un bisou. Oh, je suis sûre que tu lui fais peur en plus. Bon, bah ça y est, bébé est parti. Nous ne sommes pas partis. Par contre, papa, il s'est cassé ou pas? Ouais, papa, il s'est carrément cassé, hein. En fait, il a fait sa panique parentale, il a couru dans le taxi, il s'est tiré. Il a fait, moi, père, jamais de la vie. Bon, bah, rentrons à la maison. J'ai même pas eu le temps de cliquer. Ah, je suis impatiente de voir. Je sais pas si je suis impatiente ou pas. Ouais, si je suis impatiente, mais en même temps, je suis pas impatiente. Ils m'ont calé où, mon bébé? Ah, oh, fiche, voilà. Ah, oh, pif, fouf, fouf, fouf. Non, on va déjà s'occuper du bébé. Eh, hey, mais c'est vrai, c'est génial, ça. Pour les besoins. Par contre, bien sûr, comme par hasard, le bébé n'est pas du tout à la bonne place. Megumi, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Écoute, on va te mettre en plein courant d'air, j'ai envie de dire. Nous avons 542 simflouz, on n'est pas prêt de faire quoi que ce soit. Bébé, comment va-t-il? Ah, c'est vrai que je suis très très con, je voulais voir les besoins du bébé. On va l'apaiser. Sauf que, bah oui, on sait pas du tout. Mais je crois que je vais pas me prendre la tête avec lui, tant qu'on me dit pas il meurt de faim, comme on m'a dit ça aussi dans mon Dicked. Tant qu'il meurt pas de faim, tu t'en occupes pas. Et une fois que tu vois le petit message, tu t'en occupes. Comme ça, t'es tranquille. Parce que sinon, tu t'en sors plus, hein. En plus, on a compétence niveau 1 en éducation. On n'est pas prête de savoir ce qu'il y a là. Hein. Pétronille, t'es toute belle. Papa, il est vraiment... Il est vraiment bête de pas être venu, quoi. Oh non, mais j'ai tout qui s'est pété. Et ça, c'est vos traits, hein. Qui m'a mis un trait de terrain qui me pétait tout, là? Non, pourtant non. Ah si, peut-être maudit, je sais pas. Ah bah ça, non, il assume pas. Hein. Non, on comprend pas du tout le papa. Moi, je suis pas d'accord. Elle a la bouche à sa mère. Putain. Elle a la bouche à sa mère, je sais pas, mais j'espère pas pour elle. Merci, Anne. Félicitations. Merci pour les 100 bits. C'est Pétronille qui va être contente. Bah écoute, tu t'es pris un petit coup de jus, essaye de réparer celui-ci, ça devrait mieux passer, je sais pas. Tante, on verra. Bébé pleure. Oh. Faudrait peut-être que j'enlève ça, sinon je vais jamais voir. Les votes, on s'en fout des votes. Viens vite tout récolter, ou on va tout vendre directement. Tout vendre. Tiens, celui-là, on l'a complètement zappé. Non, j'ai pas besoin d'arroser, c'est bon. Viens tout vendre, parce que sinon, on va jamais avoir d'argent, hein. Mais... La place de bébé est dans l'inventaire familial jusqu'à son anniversaire. C'est vrai qu'on aimerait bien le poser à cet endroit-là, mais je crois pas que ça soit autorisé chez les Sims. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ben, attends, préparer une chambre pour le bambin, déjà, il faut que j'arrive à avoir un petit peu d'argent. Le truc, c'est que j'ai pas d'argent. Je sais pas si t'as remarqué que je galère totalement au niveau de l'argent. Mais là, j'ai même pas de pot, j'ai rien. Oh là là, comment on va faire? Il faudrait vraiment qu'elle gagne de l'argent. Donc arrête de réparer ça et vite va récolter. Fais quelque chose. Mais elle est paresseuse, elle bouge pas, elle fait rien. Et bébé, il pleure vraiment. C'est pas grave, c'est pas grave. Bébé, tout va bien. Je sais même pas pourquoi je me casse les fesses à essayer de réparer ce truc. Par contre, à un moment donné, tu vois, quand l'action elle est terminée, tu peux t'arrêter, non? Non, elle a pas du tout envie de s'arrêter. Attention, la notice pour la petite. Alerte, message, Pétronille. Ah! Je l'ai pas vue. Oh! Mince alors, crotte de bique. Nourrir, merci. Oh, bah heureusement que vous êtes là, hein. Oh, nourrir au biberon. Allez, lâche ça, s'il te plaît. Le bébé va voir sa mère et va aller sur le site pour aller dans une autre famille. Oh, mais non! Mais non, il aime sa maman, il est fier de sa maman. Il se dit juste pourvu que je ne lui ressemble pas, c'est tout. Pourquoi? Jouer sous la pluie? Non, on a dit tout. Non, j'ai pas dit tout récolter. Félicitations pour l'arrivée de ce nouveau membre. Écoute, tu peux venir, en plus t'as pas besoin de frapper, c'est ouvert. Vas-y, lâche-toi si t'as envie de venir t'en occuper. Je vais te dire tout vendre.
Tu peux le faire. Arrête, tout récolte pas. Tout récolte pas. Non, non, non. Je veux que tu tout vendes. J'arrive même plus à parler. Mais il pleure pas, si tu savais, c'est un chieur. Il pleure pas, mon chat, derrière. C'est parce que monsieur, il veut que la fenêtre, elle soit ouverte. Sauf que lui, il n'a pas compris qu'il y avait des saisons dans l'année, tu comprends? Et il ne sait pas que des fois, il fait froid ou qu'il pleut. Et pour lui, il croit que c'est l'été tout le temps. Et quand c'est fermé, eh bien, il devient ouf. Bonsoir, Evan, merci pour ton follow. Et là, il est en train de dire, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Je veux aller voir ce qui se passe dehors. Mais nous, on n'a pas envie. Pas du tout. Encore? Non, c'est bon, les notifs, c'est bon. Ah. Oui, je sais que tu es là. Je sais. Et tout le monde t'entend. Tout le monde te remercie de ton petit passage. Et d'ailleurs, tout le monde te dit bonjour. Voilà. D'accord? Oui, ok. C'est bien. Et il est content. Il vous remercie. Vous êtes d'un grand soutien pour lui. Mon truc est toujours pas réparé. Mon bébé dort. Profitons-en. Répare. Ah, quoique, attends, tu vas super bien. Au lieu de réparer, on pourrait peut-être faire autre chose. Non, c'est bien, t'as réparé. On va peut-être pouvoir ce coup-ci aller chercher des trucs un peu partout là. Parce que franchement, à un moment donné, il faudrait que, par exemple, qu'on trouve une grenouille. Non, ça c'est des champignons. Bon, bah ça c'est un trou. On va creuser. Viens creuser. Oh, il y a que des champignons, on s'en fout. C'est pas ça que je voulais. Bah oui, avec des champignons partout. C'est nul les champignons, mais elle est tellement longue aussi. T'es encore en train de réparer, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Je sais pas avec quoi il est en train de jouer, mais il est en train de faire que des conneries. Coucou Evan, comment vas-tu? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oh Tony, t'as offert un sub à Weka. Merci Tony. Oh, un train de la hype, approche. Waouh. C'est un enfer ta connexion, Cathy. Oh, je suis dégoûtée. Tchou-tchou. Cathy. Crotte alors. Je sais même pas en plus si vous pouvez modifier le truc. La bise au chat. Vous êtes mignon. Sub, sub, sub. Ouais. Merci, Lucie. Je sais pas si ça bug ou pas. 100 bits, 200, 200 bits. Courage. Merci, Lucie. Sur les murs, elle va mourir de froid. Ouais, je sais. Je sais, mais là, je crois qu'elle a un bug. Hein. Son truc, il s'arrête jamais. C'est pourquoi c'est. Ça y est, il est réparé. Je t'ai pas demandé de faire un historique. Non, il est pas du tout réparé, mais voilà, c'est pas grave. Écoute, passe à autre chose, ma chérie, parce que là, franchement, on s'en sort pas. Virginie et Nami ont raison. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est à cause de la pluie que tout se casse. Ah, d'accord. Ok, bon bah laissons tomber alors. Faudrait que j'arrive à fermer les murs. Mais déjà j'aurais voulu. Je suis trop nulle. J'aurais voulu récolter des trucs. Je voulais des petits trucs à récolter, mais pas des trucs tout nuls comme ça. Angèle Tini. Oui, Tini. Tini ou Angèle Tini. Oui, Tini, pardon. Merci. Pour le plaisir du chat. Merci. Bilou, c'est pour toi. On t'a fait un cadeau. Il faut dire merci, Bilou. Il te remercie. Bien sûr, il ne miaule plus. Plus maintenant, tu vois. Allez, ramasse tout, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un effort. Tu es à peu près bien. Elle va me craquer entre les doigts, là, je le sens. Ah, d'accord. À ah, moi, ça m'était jamais arrivé, le coup de la chaîne Ifi, franchement. Mais c'est bien que tu me le dises, parce que sinon, j'aurais pu rester longtemps à la réparer. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ok, on va essayer de voir avec ça. Mais d'habitude, on a plein de trucs et là, je trouve qu'il n'y a rien sur la map. Oh, regardez-moi ça, comment elle est longue. Elle est archi longue. T'es archi longue. Je crois qu'il y a une tortue. Une tortue. Pas du tout, il n'y a jamais de tortue, il y a des grenouilles. Mais normalement... Ah oui, elle est là! Après, je suis pas sûre qu'elle arrive jusque-là. Bébé, il est vert. On est bien content parce que ta mère, elle fait pas grand-chose pour m'aider là. Combien de temps durent les saisons? C'est une bonne question. Une semaine, apparemment. Une semaine.
Qu'est-ce qui se passe? Merci Tonit, merci Nami, merci Anne. Vous êtes tout mignon, merci beaucoup pour les bits, c'est trop gentil. Oh, 96%! Oh, il manque pas grand-chose pour gagner le super emote de la mort qui tue. Il reste 96%. Oui! 98! Oh là là, je suis impatiente de voir ce que vous allez gagner, hein. La dernière fois, mon Dieu, il valait le coup. Oui, 100%! Alors attention, vous allez tous recevoir votre petit emote. Ouais, grave. Le petit emote, trop beau. Moi, je reste sur la pomme, hein. La pomme était trop belle, mais là, franchement, merci beaucoup pour tout le soutien, c'est trop mignon. Merci Virginie! Merci Tini! Merci, 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 merci. Ah, j'espère que vous serez bien récompensé. Oh, Anne, merci. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai réussi. Ouais, tu as réussi, Virginie. Trop bien. Merci, Weka. Il est beau. Oh, oh, j'ai eu peur. Mon jeu, il a freeze. Mon bébé, il va pas bien. J'ai pas eu une autre notif, non? Oh, c'est beau, Tony. Je sais même pas comment vous faites tout ça. Mais c'est trop beau. Bon, va plus vite, s'il te plaît, chérie. Est-ce que le fossile, si je l'extrais, ça vaut plus cher ou pas? Je me rappelle plus. 50. Je sais plus. Je sais plus. Par contre, on va vendre nos champignons. On va faire reproduire notre grenouille. On va vendre ça. On va vendre ça. J'ai reçu un... Ah, j'ai cru que c'était un diplôme. Non, c'est un certificat. Emma, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci beaucoup pour les bits. Pour les saisons, c'est un réglage dans les options, rien à voir avec la du... Ah oui, c'est vrai, Cathy, mais comment tu as raison? Oui, les saisons, ça n'a rien à voir. C'est toi qui les règles, en fait. Tu mets... Je crois que tu peux faire 7, 14. Oh là là, vous êtes déjà à 42%. Trop bien. Tini, merci pour ton sub. Bienvenue à toi. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Tini. Je sais plus ce que je disais. Oui, sub, faites des subs, c'est trop mignon. Oui, c'est 7, 14 ou 28, je crois, pour les saisons. Tu peux le régler directement dans ton menu. C'est bientôt l'anniversaire. Oh, mais ça, c'est trop bon. Un anniversaire. Si tu ouvres les capsules, il y a une chance que ton contenu vaille plus que la capsule en elle-même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, avant, j'ouvrais les capsules et tout le monde m'a dit, mais qu'en fait, il y avait plus de chances que tu aies un truc qui coûte moins cher que la capsule en elle-même. Donc depuis, j'ouvre plus les capsules. Merci pour les subs. Ouais, sub, 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 sub. Merci. Et merci encore à tous pour votre soutien. C'est trop, trop mignon. Et c'est pas Petroni qui est contente parce que je m'occupe pas d'elle. Mais en même temps, maman, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On y va. Et on va bientôt découvrir. On va bientôt découvrir notre bébé. Rentre à la maison, vite, 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 vite. Il y a bébé qui va pas bien. Une grenouille surfeuse. Est-ce qu'avec un peu de chance, j'ai découvert un truc de ouf ou pas? Pas du tout. Alors... Je peux pas faire pire que ce que j'ai déjà. Bon, alors j'ai quoi? Rayée, surfeuse, feuille à pois. J'en ai pas une pareille. Ok. Je peux faire reproduire? Non, parce que j'en ai trop là, tu vois. Ah, oh, bah déjà qu'elle est paresseuse, mais qu'en plus elle est fatiguée et qu'en plus elle a envie de faire pipi, voilà le résultat. J'adore quand ils font ça, je trouve ça excellent. En plus, elle vient de se faire écraser par une voiture. On est trop bien. Ah, exactement, hein, le temps qu'elle arrive à la maison, c'est clair, devenue ado. Oh là là, elle vient d'être mourue. Tu te rends compte? Pauvre d'elle. C'est violent la voiture. Ouais, c'est très violent ici. Bon, allez, on y va un tout petit peu. Une, deux, une, deux. C'est bon, bébé dort. Pourvu que j'ai pas une nouvelle alerte. Normalement, on l'a nourri, hein, c'est bon, faut pas déconner. Il a mangé. C'est pas un ogre. Il va être pas beau. Mais c'est pas un ogre. S'il te plaît, tu veux pas lui changer sa couche? Voilà, tu lui changes sa couche et ensuite tu vas faire pipi. Oh, mais j'avais oublié le train, il est toujours pas fini. 70%! Ça augmente, Mélanie. Merci pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup. Sub encore. Il faut des subs. Faites des subs. Oui, des subs.
tellement logique que les voitures nous écrasent. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas très 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 logique. Carotine Ali, qu'est-ce que c'est que ça? On a dit des subs. Oui, ou des subs de Cassie aussi. Merci, Tonit! 200 bits. Merci, merci. Plein de bits, plein de subs. C'est 81%. C'est trop, trop gentil. Merci beaucoup. C'est le soutien que vous apportez à ma... Je sais plus comment c'est... Mon Annabelle! Oh, attendez. Alors, je sais plus. Quel incroyable soutien. On a reçu le petit icône. On en est où? Partagé. C'est quoi? C'est quoi? Mais j'ai rien pas. J'ai rien moi. Ah c'est ça. Oh, c'est un coffre au trésor. Waouh. Et voilà. Tchou-tchou. Merci pour les petits subs. C'est trop mignon. Oui, il est plus joli que la dernière fois. Hein. Et quand même plus sympa que c'était quoi l'autre qu'on avait. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Ah, mais je peux même pas les ravoir. Bon, je sais pas. Écoutez, vous les connaissez, moi je les ai pas. Je sais même pas. C'est d'une tristesse quand même. Je ne sais pas utiliser mon propre truc. Vas-y, va-t'en, je vois plus mon chat. Voilà, c'est ça. Ah ouais, il était pas très très beau le dernier quand même. La petite pomme, elle était toute mignonne. Waouh. Il est mignon celui-là, Katsi. Il est mignon. Bon, et attendez, j'ai oublié ma. Oh, j'ai oublié mon bébé aussi. Bébé, comment vas-tu? Cameron, 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 Cameron. Cameron, viens ici! Non, même pas, il vient chez moi. Il a une démarche, il n'a pas l'air heureux. Viens voir bébé, s'il te plaît. Il faut que je me retrouve un autre mec aussi. M'en fous, un jour je leurrai la grenouille. Tchou-tchou, oui. Mais j'ai pas le chouchou, du coup il a dépassé. Il a dépassé. Il est parti d'un seul coup, il a abandonné. J'ai pas vu le compteur à combien on en était. Mais merci beaucoup. La petite grenouille. Ma pauvre, elle va déprimer. Attends, parce que du coup, bébé il va bien. Toi tu vas pas très très bien. Alors faut que je fasse un debug. Et comment je fais le debug? Un réinitial. C'est bon là. Réparer. Je l'ai réinitialisé ou pas? Ou je l'ai pas fait? Si? Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Non, ça ne marche pas. Elle s'est pris un coup de jus. Ok. Mais par contre, c'est le frigo, ça va être beaucoup plus emmerdant, hein. Oh, il a faim. Il a faim. Je suis là, je suis là, je suis là. T'inquiète, je vais te nourrir. Allaiter. Je vais te donner. Je vais te donner mon sein. Un jour, je t'aurai. Salut Mike! Ce que j'aime le plus dans ce challenge, c'est les rénos de la maison. Ah, avec moi, tu vas pas te servir, hein, parce que moi, c'est le truc que j'aime moins bien faire. Par contre, s'il te plaît, dépêche-toi, hein. Oh, laisse tomber, j'arrive à rien réparer. C'est catastrophique, il faut absolument que... 850, il faut absolument que j'arrive à faire un truc après. Elle lui donne le sein, c'est trop mignon. Elle a faim, elle a pas de frigo. Est-ce que si je construis des murs, ça va aller? Non, mais je veux que bébé grandisse avant. Elle grandit dans combien de temps là? C'est son anniversaire ou pas? Bébé! Attendez. Ah ben bah, je peux pas le savoir. Oui. Non, je peux pas le savoir. C'est bientôt l'anniversaire. Ça veut pas dire que c'est aujourd'hui. Ah bah non, mais je suis con, c'est le calendrier. Oh, j'ai bugué total. Bah si, c'est son anniversaire, c'est aujourd'hui. Ou demain, au pire. Ah, c'est aujourd'hui. Bah oui, mais il est 1h du matin. Ok. Est-ce que j'ai espoir de pouvoir faire quelque chose? Attendez. Est-ce que déjà je peux fermer les murs? Ça serait bien si je fermais les murs. Je suis pas sûre que ça coûte trop cher. On va voir ça. Hop. Si juste je ferme comme ça. Waouh, ça coûte cher quand même. Non, je vais pas faire grand-chose, hein. Oh là 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 là, j'aurais mieux fait de faire juste peut-être une pièce. Hein. Je ne peux plus. Bah super. Eh ben j'aurais pas été loin. Il va vraiment falloir que tu ailles travailler, faire se reproduire, fais-moi un truc bien. Je sais pas ce que j'ai fait avec quoi. Super, on n'a rien fait de bien. Ça va pas du tout, cette histoire. Ça, les fossiles.
Alors, c'est combien le fossile? 100? 50? Ah oui, c'est 50 chaque fossile. Alors, si je fais extraire un fossile, 70, ok. On vend, et celui-là, extraire un fossile. Ah. On gagne pas à tous les coups, hein. Bon, bah, c'était raté. Ok, soit. Est-ce que c'est de la triche si je vends des herbes? Oh, comment j'ai envie de tricher. J'ai pas d'argent, je peux rien faire, j'ai pas de frigo, je peux pas réparer mon frigo, elle veut pas réparer. Eh bébé, t'as mangé, hein, me fatigue pas, hein, s'il te plaît. Je vais la tuer, en fait. Je crois que je vais vraiment la tuer. Non, alors on va arrêter, on va arrêter. Non, 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 j'ai réussi à la tuer! Est-ce que j'ai une technique ou est-ce que je peux faire... Il y a une technique ou pas? J'ai chaud. Reset le Sims. Hein. Quitte la partie sans sauvegarder. Ben ouais, mais j'irai même pas mon bébé. J'ai pas sauvegardé du tout depuis le début. T'as déconné là. Oh bah c'est facile, hein. Vous aviez qu'à me prévenir aussi. Du genre, c'est de ma faute. Et y a pas que moi qui joue là, hein. Je tiens à vous le dire, je vous rappelle les trucs, hein. Je voulais te dire de sauvegarder. Mais Jenny, il fallait me le dire. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas un truc. Reset le Sims. Réinitialiser. La partie. J'ai même pas quitté! C'est pas la note, c'est pas de la note non plus. Bon, écoutez, reset Sims, ça va marcher, hein. Supplie la faucheuse, mais avec qui? Bébé, il peut même pas supplier. Je suis trop triste. Oh, c'est Claudette François, c'est comme ça que j'aurais dû l'appeler. Oh, Dieu, si je t'avais même pas vu en plus. T'as pas le choix, recommence. Non! Je suis trop triste. Oh, t'as vraiment déconné, mais non. Tant pis, qui tu referas ce temps de live en dehors? Bah ouais. J'aurais peut-être même pas une fille. Et je fais quoi du coup? Sauvegarder? Bah non, si je sauvegarde. Je suis trop triste. Adieu, Prétronie. On n'aurait même pas. Là, moi, j'ai morte. Je suis tellement triste. La pas belle. Oh, ce choc. Mais... Oh non, 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 on est vraiment au tout début. Je me suis dit peut-être avec un peu de chance, j'ai sauvegardé sans le faire exprès ou j'ai pas vu, je sais pas. Mais non, pas du tout. C'est de la tristesse absolue. Elle a même pas d'emploi, elle ne fait rien de sa vie. Elle danse. Elle s'en fout de la vie. Se lancer dans une carrière, ça bug, ça bug. Non, ça bug pas, c'est juste que je suis en train de faire autre chose.
Comment perdre 1h40 de live? Je suis deg. Je suis... Mais... Non! Mais non! Mais c'est pas ça que je veux! Mais pas du tout! Mais non, mais je veux pas ça! Je fais n'importe quoi. Oh, comment je suis trop triste, hein. Démissionner. Ouais, je démissionne. D'accord. J'aime pas du tout comment vous m'avez reçu. Ok. C'est quoi ta commande déjà, sauvegarde débile? Tu m'étonnes. Ah oh là 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 là. Non mais celle-là, franchement, je m'y attendais pas. Oh, j'en enlève mon écouteur. Mon Dieu. Ah non mais c'est bon, elle est enceinte hein, quand même, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vais faire encore la même bêtise. Non non, elle est enceinte. Hein. On a toujours bébé. Avec son petit machin là. Ok, mais par contre, bah voilà, on recommence à zéro quoi. On recommence à zéro tout ce qu'on a fait, mais en même temps, c'est bien, c'est que bah, ça peut être fait rapidement. C'est tout ce que ça vaut, c'est ça? Un petit... Tu m'as lancé un petit beat? Tu te moques de moi? Oh, ça va, hein? Mais j'étais pas concentrée aussi, c'est ce que je vous ai dit, hein. Franchement, je... Arrête! J'aurais jamais cru que elle allait mourir. En plus, j'ai dit au même moment, je dis ouais, ça va mal se passer, mais bah oui, ça s'est mal passé. Et ça se trouve c'est ah attendez, du coup, je sais même plus les trains de terrain. Non, les traits de terrain, je les ai enlevés. Oh là 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 là. Donc on avait mis ça, on avait mis je ne sais plus quoi, je sais qu'il y a maudit, mais par contre je sais plus c'était quoi l'autre. Ah, tremblement de terre, si je me rappelle bien. Tremblement de terre et on allait découvrir bébé là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ok, c'est bon, ça c'est validé. Reviens ici, mode vie. Maintenant, je m'en fous, je répare plus jamais rien. Est-ce que j'ai acheté mes graines? Oui, j'ai acheté mes graines. Déballons les graines, oui. On ouvre le sachet de graines. Ah, je suis en pause. D'accord, c'est pour ça que ça marche pas. Oh! 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 Ça se trouve, ça va être une partie qui va être 10 fois plus chanceuse. J'ai eu des graines, mais des graines qui valent plus cher, je crois. Ou je rêve. Je rêve? Des champignons. Des champignons. Des champignons. Par contre, si je pouvais moins les espacer, ça serait mieux. Mais bon, et comme tu veux. Ça, c'est bon. On va faire reproduire. Non, toi, viens planter. Allez, plante ça. On avance un peu plus rapide. Ensuite, on va faire se reproduire. Les grenouilles, on vend notre grenouille. Yes, on y va. On vend notre poisson. Yes, on y va. On vend l'autre poisson. Yes, on y va. On lui met ses écouteurs. Yes, on y va. Ah, je suis en automatique. Est-ce que vous sentez la tristesse, la musique d'ambiance? Ouais. Vous aussi, hein, vous êtes tous dégoûtés, hein. Vous n'êtes pas tous partis quand même. Vous ne m'avez pas abandonné. Sinon, tu fais un code pour qu'elle revienne à sa promotion. Oh, pff, c'est pas ça qui m'a... Enfin, c'est pas ça le plus triste, hein. C'était le bébé. Hein. Moi, je suis deg pour le bébé. Puis j'avais envie de voir sa tête. Ouais, mais... Bah, on va refaire, ça va. C'était pas trop long. En même temps, on joue pas en accéléré, on joue pas en rapide. Ça va, c'est pas trop trop long. Après, au pire, je le referai toute seule. Mais ouais, non, c'est plus ça... C'est dommage quand même. Tiens, bah non. Ok. Je sais pas du tout si je repars chercher des trucs parce que j'ai l'impression qu'elle est pas capable de le faire. Tout récolter ici. Elle va me dire encore qu'elle peut pas. S'il te plaît, viens creuser. S'il te plaît, juste creuser là. Non, il y en a un deuxième, je crois. Moi, comment je suis triste. Oh, j'arrive pas à m'en remettre. On a perdu Pétronille. Pétronille. C'était notre bébé à nous. Elle était toute belle en plus. Je suis sûre qu'on va avoir un garçon et qu'il sera tout moche. Je suis sûre qu'en fait, celle, c'était une belle beauté. Mais un toit, c'est gratuit et ça protège. Ouh, excellent, excellent, excellent. On va mettre un toit. Dépêche-toi, bouge tes fesses. Allez, on rigole plus maintenant.
On est sérieux. Félicitations pour cet emploi intéressant. Je crois qu'il ne sera pas fait pour toi. Ok, ok, ok. C'est bon. On est prêt. On va mettre un toit. On va mettre un... Ah, je peux même mettre un... Bah non, je peux pas mettre des plafonds. Non, parce que ce n'est pas des pièces. On va mettre un toit. Oui, oui, oui. Mettons un toit. Un toit. Toi, toi, toi. Un toit. Mais oui, mais chérie, mais un toit. Ici. Voilà. Alors, c'est comme ça, vite fait, à l'arrache. Hein. Parce que forcément, là, ça va pas trop. Construire un plafond. Mais trop bien. Regardez, j'ai un plafond. J'avais plus besoin de toit. Au pire, je peux mettre le toit ici. Hop, on construit un plafond. Non, mais bah non, 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 c'est pas ça que j'ai voulu faire. Il y a un plafond, là. Ok. Ça, par contre, je peux l'enlever. Ça... Oh! 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 Regardez, elle peut dégager. C'est... Oh. Ce coup-ci, je récupère. Je m'en fous. Je prends toute la thune que je peux prendre. La dernière fois, j'ai enlevé et j'ai pas gagné d'argent. Là, ce coup-ci, je prends. C'est de la triche? Est-ce que c'est de la triche? Si, j'ai... Si. Je resterai toujours sur le fait que je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas la juger. Donc, à partir de là, je suis triste. Je me dis, ça se trouve, c'était une toute beauté, tu vois. On peut pas... Tant qu'on sait pas, tant qu'on n'a pas vu, c'est... J'aurai toujours le doute. Et je serai toujours très très triste de pas l'avoir connue. Oh, Sniff, on va pleurer. Sniffouille. Je suis en train de faire une église, les gars. Je suis en train de faire un dôme. Bienvenue dans mon chapeau pointu. Bon, écoutez, on s'en fout en fait du toit, puisque de toute manière, elle a un plafond maintenant. Enfin, elle a un semblant de plafond, mais elle a un plafond. De toute manière, il n'y a pas les murs ici. La maison n'a pas de tête. Elle a même un arche ici, on ne sait pas pourquoi. Pas de triche. Non, c'est pas de triche. J'ai enlevé le plus gros en disant qu'après... Voilà. Oh, je peux même faire des murs. Je vais faire quelques murs. Quoi, c'est de la triche encore, c'est vrai? Franchement? C'est pas de la triche. J'avais pas pensé à aller jusqu'au toit. Mais sur mon toit, il y avait des choses qui pouvaient peut-être m'aider. M'aider. Voilà. Regardez, on est en train de clôturer notre maison. Nous construisons notre demeure pas à pas. Wouhou! On va être entouré que de murs, là. Il n'y aura même pas une fenêtre, hein. Ah non, il n'y aura pas de fenêtre parce que je ne peux plus faire... Non, je ne peux plus. Voilà, j'ai plus de thunes. Là, au moins, c'est réglé. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Enes vendait ses herbes aussi, donc pour moi, c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vendu les herbes au début. Mais je voulais pas en avoir trop et c'est vrai que la maison, je la trouvais très jolie, justement, avec toutes les herbes. C'est pour ça que je vous les ai montrées. Mais j'ai préféré les enlever. Rentre à la maison, dépêche-toi. J'ai préféré les enlever quand même sans que ça compte dans les fonds parce que sinon, à mon avis, on finissait avec 10 000 simflouzes. Hein. Non, pas de triche. C'est un peu de la triche. Oui, enfin, c'est pas un peu de la triche parce que dans le principe, c'est comme ça qu'ils font. Mais moi, vu que je l'avais pas fait, c'est vrai qu'on peut penser que c'est de la triche. Mais maintenant, c'est plus de la triche. C'est comme ça. Elle a décidé... Il reste quand même des trous, hein. Elle a décidé que c'était comme ça. Et regardez, on est content, on a un toit. On va pouvoir réparer quand ça tombe en panne sans avoir peur de mourir. Enfin, quand même, la prochaine fois, je sauvegarderai avant. Promis. Je vais sauvegarder. Ok. Du coup, eh ben, tu sais quoi? Vu que tu... Non, non. En fait, non. Prends des restes. J'allais dire cuisine, mais en fait, non. Oh! Tadam! Non, c'est pas de la triche, je confirme. Je sais qu'il y en avait plein qui l'avaient fait. Mais c'est vrai que dans les challenges, tu te dis que ce petit détail, des fois, ça peut quand même... Enfin, ça t'aide pas mal, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 pas de trucs bizarres, hein. Ah, des chauves-souris. Oh, c'est pas grave. Quoique. Allez, c'est juste une chauve-souris, s'il te plaît. Lilira, bonsoir. Si Cassie confirme, on est tranquille. Exactement.
Elle a tout vendu sur le bon coin, c'est pas de la triche. Oui, c'est ça, bah voilà. Pourquoi on n'y avait pas pensé? Bon, allez, on avance rapide, normalement, on devrait être bon là. Qu'est-ce que je dois faire après? Oh là. Attendez, hop là, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait après? Bah, je ne sais pas. Jeter, c'est vrai que j'ai pas de poubelle. Ça serait bien que j'aie une poubelle, mais j'ai toujours pas de. Non, alors, j'ai toujours pas de truc. Est-ce que là, on a un truc à récolter? Non, ça, c'est nul. Je me demandais ce que c'était. C'est un pigeon. Bon, bah, viens creuser ici. Creuse, s'il te plaît. Allez, essaye de me trouver un truc. Normalement, sur cette map, il y a des trucs, et là, je trouve qu'il y a rien. Allez. Les fleurs, c'est pas poussé, je peux pas récolter encore. Là, je peux pas les travailler. Faut me ramener de l'argent. Mes grenouilles, peut-être? Faire se reproduire? Ok, on reproduit. Ça fait 10 simples à chaque fois. Super! Une petite caissette. Ok, là, ici, on vend les citrons. Et là, on vend. J'ai même plus envie de tenter. 50. On vend ça. Et bah, reviens à la maison. Qu'est-ce que t'as envie? Parler? T'es fatigué? Non, rentre à la maison. Je me tâtais à aller parler avec quelqu'un, mais j'ai vite envie de passer à l'accouchement. Oui, sauvegarde au cas où, bah tu m'étonnes. Je sens que maintenant, je vais avoir une alerte sauvegarde débile aussi. Pense à sauvegarder, fais des recherches. Viens faire des recherches, on sait jamais. Ça peut peut-être être utile, non, pas la même. Par contre, ça serait peut-être mieux de faire une autre. Fais des recherches ici. Qu'est-ce que j'ai là? Rien du tout. Ah, j'aurais dû aller chercher les jacinthes sinon aussi. Bah, je m'arracherais des graines. Oh, il y a Cameroun, Cameroun, Cameroun. Pardon, excuse-moi. Invité à entrer. Viens, chérie. Viens ici, s'il te plaît. Ouhou. Non, elle l'a pas appelé. Sauvegarder, c'est la vie. Vivez votre plus belle vie. Sauvegardez régulièrement. Viens chérir, mourir à la maison. Exactement, si tu savais ce qui vient de m'arriver, tu serais fou de joie. On va peut-être discuter un petit peu avec lui, faire connaissance. Non, non, parce qu'en fait, il s'est tiré. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Et bah, va faire une sieste paresseuse parce que t'as l'air fatigué et j'ai envie de t'avoir en bon état. J'en ai marre. Quoi déjà? Bah, t'as pas. C'est des petites siestes, hein. Ah ouais? Bah d'accord. Bah écoute, comment te dire que bah elle va dormir. Je sais pas ce qu'elle fait. Ça vous a perturbé, hein? Oui, je vais sauvegarder maintenant. Je sauvegarderai. Regardez, elle est dans le rouge. Elle est heureuse, elle est dans le rouge. Elle a même pas réussi à finir. Oh là 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 là. Bah oui, bah va utiliser. Ensuite, tu te laves les mains. Tu te laves les pieds, tu te laves les mains et tu te laves les dents. Je sais, c'est pas les pieds, mais avec elle, vaut mieux qu'elle se lave les pieds aussi. Ensuite, il faut qu'on pense à manger, à faire à manger. Mais tout va bien. On sait exactement où est notre destinée. On a déjà vécu cette vie, on ne sait pas pourquoi. Mais on a déjà vécu cette journée-là. Hein, on l'a déjà faite. Allez, dépêche-toi. Ensuite, prends des restes. Fais-nous un bébé! Je suis dégoûtée quand même. MyNJ sauvegarde. Éteins la radio. Ah, ok. Éteindre. En plus, bah oui, mais elle a les écouteurs en plus, je crois. Tu crois que ça l'empêche de dormir, les écouteurs? Quoi, c'est mal décoré? Oh, tu charries quand même, hein. Décoration médiocre. Hey, c'est relatif, hein. Les goûts, chacun ses goûts. T'as besoin de discuter, je sais pas, Cameron, il a décidé de partir quand il t'a vu. Je sais pas du tout pourquoi, j'ai pas compris. On se demande. Vendre les écouteurs ou pas? Je les ai gardés, je pensais que c'était bien. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être bien de les vendre. Mais c'est à chaque fois, il faut passer par l'inventaire familial, c'est chiant. Allez, va redormir. Minuit, ce coup-ci, tu devrais dormir. Ah bah non, ça l'empêche pas de dormir. Hein. J'ai pas envie de te voir. Ok. Oh là là, les jauges qui descendent.
Un appel peut désormais prendre un congé pour des raisons familiales. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça il n'y a pas longtemps. Ce coup-ci, oh, on va aller au travail. Oui, on va aller au travail. Va pipi, va tout. Va tout, tout, tout. Et ensuite, tu vas au travail. Ça va bien me faire plaisir. J'ai été promue. Waouh, sans aller au travail, je suis promue. Qu'est-ce que je suis heureuse. Ok. Ici. Non, pas aller ici. Viens. Tout vendre. On va vendre. Oui, elle peut se divertir en jardinant. Mais elle les a là ou pas? Attends, j'ai un doute maintenant. Tout à l'heure, je l'ai vue avec. Ah bah non, on les a plus. J'ai gagné un lot de graines. Ouvrir un sachet. Mais parce que quand j'ai éteint la chaîne Ifi, ça a éteint les écouteurs ou... Non, je sais pas. Ou alors je les ai pas remis. Bah non, oui, j'ai oublié que j'avais un peu perdu. Oh, j'ai perdu sur les Sims. Non mais sérieusement, c'est le truc. C'est pas possible, ça n'existe pas. Bah moi, si, tu... Voilà, je l'ai fait. Avouer son erreur, qu'on leur coupe la tête. C'est quoi cette histoire? Doit-elle tout avouer immédiatement à son client ou tenter une stratégie risquée, couper la tête de quelques taupières comme s'il s'agissait d'une démarche artistique? Qu'on leur coupe la tête. Je suis pas sûre d'avoir fait. Non, ça aussi, je l'avais enlevé. Ah, perte de performance petite. Ouais, génial. J'ai pas fait la meilleure des trucs. Est-ce que j'ai enlevé? Option du jeu. Gameplay. Non, c'est pas ça. C'est écologie. Non, bah oui, forcément. Appliquer, ok. Et ce coup-ci, je vais sauvegarder. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je sauvegarde? On se demande bien pourquoi. Oh, Annabelle, elle est revenue avec des... Ah non, elle n'est pas revenue avec des fruits, c'est moi qui les ai ouverts. On va donc replanter nos petits légumes. Mais j'ai eu quoi? J'ai eu des champignons et des carottes? Ah non, des carottes. Ah ouais, et des champignons. Oh là là. C'est pas grave, viens planter, s'il te plaît. Plante ça, on vend. J'ai eu ça aussi. Et j'en ai déjà, non? C'est ça, là. C'est quoi, ça? Citronnier. Ah bah non, pas du tout. Plante jacinthe. Je confonds avec mon autre partie. Oh, j'ai failli jeter ça. Ah non, je confonds pas avec mon autre partie. Ça y est, je suis perdue. Citronnier. Citronnier. Ah bah c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oh là 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 là, je vous jure, faire se reproduire. Oh! J'en ai une de 100! Bah, je la garde, celle-là, je la ferai reproduire. Plantée! Ah, cette partie est beaucoup plus chanceuse, hein? Éteindre la chaîne n'arrête pas les écouteurs. Non, je crois que c'est mon cerveau qui s'est éteint en même temps que j'ai perdu. Ah, les écouteurs se ferment quand elle dort. Ah, par contre, ça, je savais pas. Faudra barricader la piscine l'hiver. Ouais, c'est clair, parce qu'elle y passe sa vie, tu m'étonnes. Je posais la question. Tu posais quoi comme question? Attends, parce que du coup, j'ai remis mon écouteur, ça me perturbe. Maintenant, tu es au courant qu'il faut sauvegarder. Ah, bah ça, oui, j'ai bien vu. Arroser avec des larmes. Faut sauver Mère Annabelle. Bon, pourquoi c'est... Mais non, mais voilà. Oh, elle pleure avec des larmes. Mon Dieu. Tu te sens mieux ou pas? Ah non, t'as faim. Bah, arrose tout alors. Sans larmes, s'il te plaît. En attendant, elle se sent beaucoup mieux. Ensuite, eh bah, si t'as faim, on va commencer par manger. Prendre des restes, ensuite tu cuisineras un tout petit peu. Bah ça, j'ai pas de poubelle. Mais je... Oh! J'ai de l'argent. Oh, j'ai de l'argent. Oh, c'est mieux d'aller travailler quand même. Elle pleure avec des larmes. Mais c'est trop mignon. Bah, ah oui, elle pleure avec des larmes. Ah, mais... J'avais pas fait attention. Oui, c'est vrai. Et pourquoi mon truc, à chaque fois, je nettoie, il... Oh, non mais oh, on me résiste pas à moi. Enfin, souvent si, mais... Non, elle se fait pipi dessus. Écoute, c'est pas pire que ta vidéo tout à l'heure. Tout à l'heure, t'es morte. Hein. Là, pour le coup, t'as juste fait pipi sur toi. Fini de manger. Non, tu veux pas? T'as fini? T'as fini ou pas? Non, elle n'a pas fini. Manger la salade.
C'est pas parce qu'on se pisse dessus qu'on finit pas son assiette, mademoiselle. Hein. Oh, quand même, faut pas déconner, hein. Faire se reproduire, ça marche toujours pas. Bien dommage. Ensuite, tu pourras aller te laver au robinet. Et on se plaint pas. Eh non, elle meurt pas de honte. Non, 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 non. Non, non, elle ne meurt pas de honte. Je vais sauvegarder. Je vais avoir la panique maintenant. Me faites pas peur, me faites pas peur. Et puis ça, je vais enlever aussi, parce que j'avais oublié. Abroger. Voilà, l'économie d'eau, certainement pas. J'ai une piscine à remplir. J'ai besoin d'avoir des robinets qui fonctionnent. C'est bon? Ok. Vas-y, mademoiselle. Elle va où? Là. Ok, super. Ensuite, est-ce que tu peux cuisiner? Non, elle ne peut pas. Enlève la nourriture gâtée. Non, elle ne peut pas. Faut absolument que j'achète une poubelle, ça me gonfle. Achetons une poubelle. S'il vous plaît, achète la poubelle. N'oublie pas qu'il va te falloir une baignoire pour bébé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a un peu plus de temps parce que je ne sais pas pourquoi bébé a disparu. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout. Allez, on se met une poubelle ici. Ou ici. Oh là là, il va falloir qu'elle fasse le trajet jusque là. Elle va être traumatisée. Bon, on se met une poubelle ici en attendant. J'ai oublié la baignoire. Mais bébé a le temps d'arriver. Voilà, nettoie tout. Ok, et maintenant tu peux me faire à manger, s'il te plaît. Cuisiner. Pourquoi on peut pas cuisiner tout ça? Ah, parce que j'ai pas de cuisinière. Bah oui, forcément, c'est évident. Vous y avez pas pensé. Je vous laisse ce soir, bonne fin de live. Merci, Sweet, des bisous à toi et à très bientôt. Merci, merci. Bisous, bisous. Méfie-toi l'hiver, barricade là pour cet hiver. Bah pourquoi? Elle peut... Tu crois qu'elle peut ne plonger dedans? Ah oui, elle peut, oui, 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 elle est capable, bien sûr. J'avais oublié ce détail. Oui, elle est capable de tout faire en même temps. Fatigue que tu nous tiens. Bonne fin de live. Merci, Philanta. Toi aussi, bonne nuit. Niveau 2 en cuisine. Prendre une portion. Non, elle a déjà mangé. Je suis nulle. Non, 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 pas prendre une portion. Non, 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 pose-la. Oui, voilà, comme ça. Attends, je vais la ranger, t'inquiète. Hop là, je range celle-là, je range celle-là. Et maintenant, tu me fais un petit nettoyage. Et demain, tu es en beauté et en fraîcheur pour aller accoucher de Pétronille. Dis-moi que ça sera une fille, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Je voudrais que ça soit ma petite Pétronille. Moi, je l'aimais trop, Pétronille, déjà. Ouais, je sens que ça va être un garçon. Nettoyer. S'il te plaît. Non, elle s'effondre. Oh, quelle tristesse. Sa vie est beaucoup plus dure, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Quelle jolie fumée a sorti à ses cheveux. Oui, 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 oui. Mais t'embête pas, mets la poubelle à côté du frigo, ça va pas amocher la déco. Attends, il y a du style, quand même. Bon, au moins ça c'est propre. Va pipi, et ensuite va dodo. En fait, je t'ai nettoyé, mais je sais même pas si ça t'a nettoyé un truc. T'es toujours sale. Alors, ça fait quoi? Non. Mais non, t'y étais. Faut pas déconner. Allez, vas-y. On en est où? Oh, non, non. Ah, j'ai eu peur. Non, non, hein. Tu es parti, hein. Bah oui, t'es pas rentré de toute manière. Je vérifie, hein, quand même. Il manquerait plus que ça. Tout à l'heure, ça m'aurait fait rire, mais là, franchement, ça me ferait pas rire. Je verrai la suite en off. Bonne soirée, bon live. Bonne soirée, Jossie. Bisous à toi. Toi, si jolie, Pétronille, le printemps fleuri. Oui, le travail a commencé. Yes, on y va. Accouchement imminent. Incessamment sous peu. Avoir un comportement dégoûtant. Non, pas du tout. Avoir un bébé à l'hôpital. Oui, carrément. Rejoindre. Oui, tout à fait. Et Cameron, on y retourne. Bon, même si ça... on y retourne. Même si, en fait, Cameron, il s'en fout, il va s'enfuir. Heureux, ouais, heureux, c'est ça. Oh là là. En attendant, on l'a fait beaucoup plus vite. Hein. Go, 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 on y va, on y va, on y va, les gars, on court. Ah, elle a même pas sa tenue. Ah, elle a tellement l'habitude maintenant qu'elle a même plus. Se présenter au bureau d'accueil. Allez, vas-y.
Oui, t'as envie de faire pipi, t'as faim, t'as tout, mais t'as aussi peut-être envie d'accoucher. Non, en fait, elle ne veut pas se présenter du tout. Ah si, c'est bon. Cameron, admiré, est parti. Carrément, il s'est tiré. En même temps, vu l'odeur qu'elle a, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se tirer. Oui, je vois pourquoi vous venez. Oui, on voit tous pourquoi elle vient. Mais j'ai pas de chambre de dispo. Si, t'en as une, donne-moi une chambre, dépêche-toi, parce que... Bon, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi ou est-ce qu'il va se passer un truc? Je ne sais pas. Je suis pas sûre de pouvoir accoucher. Oh, bah tiens, je peux draguer. Présentation amicale. Non, je ne pue pas, n'aie pas peur. C'est juste mon odeur corporelle. Ah oui. Je vais essayer d'y penser. Mettre l'assiette sale. Oh, elle n'a pas voulu lui parler. C'est vraiment dommage. On aurait pu draguer là juste avant. Pff. Oh là là. C'est le jour ou la nuit? C'est. Bah, c'est le matin. Pétronille, le retour. Eh bah, écoute, j'aimerais bien. En attendant, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Elle était dans le rouge, maintenant elle est tout dans le vert. On est trop contents. Alors? C'est une fille! Pétronille est de retour. Et là, elle est toute blanche. Et bah, c'est pas du tout Pétronille. Hein. Attendez, parce que je l'ai appelée Pétronille. Pétrovieille. Pétronille. Pétronille, hein, c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Hein. Pétronille. Pétronille. Ça y est, je sais plus le dire. Pétronille. Oui, c'est ça. Ah, c'est beau. Elle est là. Elle est là. Oui, c'est elle. Attends. Ah, ou pardon. Fais voir tes yeux, ils étaient beaux. Oh, je vois pas. Je veux voir tes yeux. Hein, c'est pas la même, hein. Non, non, je me suis fait arnaquer, c'est pas la même, hein. Elle avait pas les yeux marrons, je crois. Faut regarder le début. Mais c'est pas la même. On s'est fait avoir. Elle est moins belle, je le sens. C'est pas grave, je t'aime quand même. Allez, retour à la maison. Yes! Wow, je sais pas en combien de temps on a fait ça, en 10 minutes, et l'autre je l'ai fait en 1h44. Franchement, je suis super longue quand je joue. Hein. Elle avait les yeux marrons. Oh. Oh. Ouf. Merci pour ton follow, Oneria. Bienvenue à toi. D'ailleurs, Lindy, je sais même pas si je t'ai accueilli. Merci pour ton follow aussi. Bon, bébé, ils me l'ont encore collé là-haut. Bah oui, forcément, ils l'ont collé là-haut. Par contre, bébé, il descend, il vient ici et au dodo, là, bah, là. Bah non, je sais pas. C'est ma cam qui fait n'importe quoi. Attendez, je ne sais même pas comment ça se fait. Oh, c'est joli. J'ai des petits pétales. Non, mais attends, mais je peux même pas la récupérer. Mon truc, il est fermé. Mais qu'est-ce que t'as? Tu bugs, hein, chérie. Enlève-moi ça. Allô? Comment on fait pour enlever? Je ne sais même pas. Ah là! Excusez-moi, il y a ma cam qui a trouvé que j'étais pas assez belle. Elle a dit... Je vais lui rajouter un petit filtre avec des petits pétales. Oh, c'est fini les bugs, oui. Non mais oh. Bon, bébé pleure. Attention, bébé, on va nourrir. Allaiter, viens lui donner tout l'amour de ta vie. Un petit... Oh, elle est toujours dans sa tenue magnifique. Angie fleurit sous nos yeux. Oh, laisse tomber. Ah ouais, j'ai des fleurs qui me poussent, moi. C'était pour fêter l'arrivée de bébé. Ouais, mais je sais même pas comment ça se fait. Et en plus, la dernière fois, j'ai fait un test, c'est pareil, il s'allumait tout seul, mon truc. Ouais, c'était trop chouette, les feuilles. Mais j'ai plein de filtres, mais quand même, qui se mettent en route tout seul, je comprends pas trop. Ou alors, ça se trouve, il y a une touche qui doit être paramétrée. Mais pourtant, j'ai pas appuyé sur un truc, non? Bah, je sais pas. Bah, écoutez, je sais pas, mais voilà, les fleurs sont apparues. Et lui, il était content, il avait envie de ça. D'ailleurs, mes trucs là-haut, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas du tout. Si, ça marche, eh. Bah, pour une fois, ça marche. Bah, allez comprendre. Franchement, les trucs, faut plus chercher parce que...
C'est le live de toutes les surprises. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que je dis, faut plus chercher. On cherche plus à comprendre. Ma profession, qu'est-ce qu'il me demande? Récolter les produits, pas commencer. Ah bah oui, mais... Ah bah non, mais... Ah bah oui, mais... Non, non, non. Bah non. Ça ne va pas du tout. Comment voulez-vous que je récolte des produits si vous me le dites que maintenant? Elles n'auront jamais poussé, mes fleurs. Viens ici. Quoi, il pleure? Il pleure, je lui ai donné à manger, c'est bon, tout va bien. Elle pleure, pardon, c'est une fille. J'avais oublié ce détail. Ensuite, tu vas faire des recherches sur ça, sur ça, sur ça. Et ok, récolter, c'est bon, on est bien. Ou attendez, ça, je peux la faire se reproduire avec n'importe laquelle, on s'en fout. Ouh! 125! Yes! Oh bah ben alors là, on est bien, hein. On est bien, on est bien. Qu'est-ce que je fais? Je vends quoi? Je sais pas. Je sais plus. Je ne sais pas. Je vais vendre ça. Et je vais faire reproduire les 100 ensemble. Allez, on vend ça. On vend les citrons. 560. Ok, ça c'est bon. T'es en train de faire quoi, toi? Rien du tout. T'as fait une salade? Oui, je crois qu'on a une salade. C'est bon. On va essayer de fermer les murs. Dépêche-toi. Sauvegarde! Ouh! Ok. Non. Par contre, je sais pas si ça vous a fait du bruit, mais du coup, non, c'est pas le micro. Ça, c'est bon. Non, je sais pas du tout. C'est trop bizarre. Oui, je peux fermer les trous. C'est vrai. On ferme les trous. Fermons les trous. Vite fait. Bien fait. Je veux pas une porte, je veux un mur. On ferme. Trou. Là. 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 Oh là là. Oh là là. Ah, ça devient vite cher, hein. Ok, ça c'est bon. Alors ça, par contre, je sais pas si ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, hein. Eh ben oui. Ok. Ok, alors là nous avons pour le moment presque une maison, enfin surtout le bas, qui est fermée. Ouais, par contre on n'a plus de lumière. Hein. Pas du tout. Et il me faut une baignoire. Une baignoire. Alors là, une baignoire. Eh ben on va attendre un peu, hein. Voilà. C'est clair. Tant que je regarde pas forcément, ça me fera pas tourner la tête. Bon, eh ben écoute, dépêche-toi. Et c'est quoi qu'on voulait me dire? Ouh, un rez-de-chaussée, yes! Non, tu peux même pas arroser. Attends, mais pourtant ça a une sale tête ce truc. Je te jure que moi, je pense que tu faut. Non, tu veux pas arroser. Bon, bah d'accord. Alors on n'arrose pas. Tu vas très très bien. Est-ce que tu as le courage de monter jusque-là? Bébé pleure toujours quand même, hein. Bébé pleure toujours, mais on va dire que vu que je l'ai nourri, ma petite chérie, tu sais qu'on t'aime, je sais, tu es un peu sale, mais tout va bien. Tout va bien, t'inquiète pas. Maman, elle connaît cette odeur, elle te reconnaît, tout va bien. Cap ou pas cap, de quoi? Pas cap, moi, pas cap? Pourquoi je dirais cap? Je sais pas du tout de quoi tu vas me parler. Je ne suis pas cap. Descends le lit en bas, j'y ai pensé tout à l'heure, ouais. Ouais, faut rafraîchir, Mike. Oui, pour les affaires de Petroni. Oui, mais justement, c'est ça. On va essayer de récupérer un petit peu d'argent. Allez, va un tout petit peu plus vite. Et mes petites grenouilles. Oula, j'ai failli faire une connerie. Non, je ne vais pas vendre. Pas du tout, pas du tout. Je vais faire se reproduire, mais je ne sais pas pourquoi je voulais les passer l'une sur l'autre. Et de deux, une carte au trésor. 80, ça se vend. Carte au trésor. Poubelle. Il faut que je mette mon assiette dans la poubelle. Super. Mais je peux rien faire après. Discuter. Donner un simflouze. Ok. Je me suis fait avoir. On s'en fout. On s'en fout. Bon, va la nettoyer un petit peu. On va changer sa couche. Et ensuite. Est-ce que vous avez encore... Est-ce que... Oh, il est mort! Il est mort! Ah,
si tu savais, nous aussi on est morts, mais bon, nous on va mieux que toi. Il est mort. Ah bah écoutez, il vit pas longtemps, hein. Oh bah ça alors, qu'est-ce que je devais faire? Ça m'a perturbé. Il est mort. Je sais plus ce que je voulais faire. Coucou Kelly. Bah t'as raté un truc pas mal. Une mort, une résurrection. Ah, je dirais pas une résurrection, hein. Mais un bébé arrivé deux fois, ouais, c'est un beau résumé. Elle a encore sa robe d'hôpital. Mais carrément, mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que cette tenue-là lui va beaucoup mieux que ses vraies tenues, hein. Entre nous, c'est pas plus choquant. Par contre, je voulais faire quoi là? Je suis en train de bugger total. Perds pas du temps, perds pas du temps. Perds pas du temps, pas perdre de temps dans tous les sens. On va prendre une grenouille, chercher une grenouille. Allez, viens, s'il te plaît, tu es bien là. Bébé pleure encore. Tu commences à me les gonfler, tu m'as manqué, j'étais triste. Ah oui, j'étais en train de regarder la poubelle, mais je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à fouiller dans ma poubelle. Bah non, ça voulait pas, hein. Plus de choses à ouvrir, il y a un truc qui est périmé là-dedans? Non, normal, non, j'ai rien de périmé. J'ai pas vu enlever la nourriture gâtée, non, c'était dans la partie d'avant. Si je confonds mes propres parties maintenant. Allez, un peu plus vite, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que tu sais qu'on attend tous l'arrivée du bébé. C'est bon, ça marche. Ah, tu vois, c'est bien ça. Toujours rafraîchir. C'est la première étape d'une bonne solution. Mais ça marche pas toujours. Tout récolter, tout récolter. On prend une grenouille ici. Et ensuite, on reproduit les grenouilles. Et normalement, tu es en avance rapide, parce que sinon, ça va pas vite. Oh, j'ai pris quoi? 10. Pourri. C'est pourri. C'est pourri. 10, on vend. On garde les grosses. Même si, en fait, avec la 10, on aurait peut-être pu en faire une grosse, mais déjà, on en a des 100, c'est bien. Ça, on vend. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es pas contente? Allez. J'ai pas désactivé le pack écologie, hein. Non, j'ai désactivé les plans d'action, mais ça désactive pas le pack. Ou alors je suis pas au courant. C'est tellement glamour. Vous voulez. Non, apparemment, vous voulez vraiment la voir dans sa tenue à elle. Parce que vous l'aimez comme ça. En fait, vous l'aimez comme ça, hein. Ouais, tu peux pas désactiver tout le pack. Je suis sur YouTube, mais je t'ai vu sur Twitter. Je peux enfin mettre un visage sur cette voix. Ah oui! Oui, bah oui. C'est YouTube et Twitter et Twitch, c'est pas. Voilà. Et bah bienvenue. Et voici le visage de la voix. Je suis la voix. Ah non, va plus vite, ma chérie! 10, on s'en fout, c'est tout pourri, on fait ça. Et ensuite, on fait se reproduire. Avec notre léopard. Et yes! On a 100! C'est bien. Oui, je sais, tu es triste. La vie est dure et injuste. Trop injuste. C'est trop injuste. On a fini nos missions. Oh là là, cette partie est tellement plus. Waouh! Trop bien. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais plus. Je sais plus. En fait, il lui manque son amour, mais prendre des restes. Viens prendre des restes. Oh, bah, tu sais quoi, on va s'occuper de ta fille, mais ta fille dort, comme par hasard. Au moment où tu as décidé de s'occuper d'elle, c'est là qu'elle dort. Ah non, elle dort plus, c'est bien. Changer la couche, sale. Et non, la poubelle, je ne peux rien faire. C'est plus joli car plus coloré. Ah bon, bah, d'accord, alors ok. Hein. Bonne soirée, Foki! Je t'en prie, Foki, bonne soirée. Oups, j'ai perdu mon autre écouteur. Comme ça, sans écouteur, bah, j'écoute plus. Mais en même temps, on s'en fout, il n'y a pas le son de mon jeu. Et par contre, tu m'as fait le bug de rester coincé là-bas avec le frigo, ok. La chenille, ok. Par contre, tu la manges ta truc ou pas? Il y a un bug là ou quoi? Oh, c'est ce coin là-bas qui est maudit? Regardez, l'action, elle finit pas. C'est un endroit maudit, c'est ouf! Nourrir le bébé! Quoi? Comme par hasard, il m'a demandé à manger! Allaiter, viens vite!
Mais vous avez vu, j'ai un problème. Il y a un problème là-bas, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Toi, tu vas là. Qu'est-ce qu'il y a qui vous va pas? C'est quoi il est où le souci? Dites-moi tout. Si je fais ça, ça va mieux? Comme ça, ça va mieux. Là, on se sent mieux. Tac, tac, là. Faut arrêter de bugger, hein. C'est quand même infernal. À chaque fois qu'elle se met là-bas, les actions, ils s'arrêtent pas. Enfin, ils s'arrêtent. Non, ils s'arrêtent pas. Je sais plus ce que je dis. Je suis fatiguée. Vous comprenez? Ça fait deux fois que je fais le même truc. Je suis fatiguée. Mais je viens de les faire, Cathy. J'ai mis une assiette. J'ai mis un plat. En plus, elle va se faire attaquer. Pourquoi? J'ai lecture. Ah oui, elle va se faire attaquer par une chauve-souris. Défends ta fille, s'il te plaît. Faut défendre ta fille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Oh, des chauves-souris. Hop, bon, c'est bon. On la nourrit, on lui change sa couche. Mais le truc, c'est... Déjà, le problème, c'est que j'arrive pas à manger sa salade. Elle arrive pas à finir sa salade. Pourquoi elle arrive pas à finir sa salade, sérieux? Mais qu'est-ce que t'as? Mange ta salade. L'assiette se termine pas. L'assiette se termine pas. Mange la salade. Ok. Je mets la salade dans la poubelle. Et après, quand je clique sur la poubelle, j'ai rien. Et maintenant, elle est heureuse. Je ne comprends strictement rien. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas. Elle n'a pas ses écouteurs d'allumés. Viens te laver les mains, viens te laver les dents. Et ensuite, ira dormir un tout petit peu. Je sais pas du tout ce qui lui arrive, mais il y a... Enfin, c'est ouf. Hein. J'ai pas un seul CC, j'ai rien du tout, là. Il y a tout qui bug. Enfin, il y a tout qui bug. Il y a quand même des trucs qui vont pas, quoi. Terminé. J'ai dit terminé. Mais non, mais tu t'entends ma voix, là? Elle est en train de partir. C'est l'anniversaire, ce que le temps passe vite. Non, pas vraiment. Pour nous, il passe pas vraiment vite, tu vois. On va au travail. Je veux aller au travail. Laissez-moi aller au travail. Je rêve de travailler. Je veux que ça. Je veux travailler. Allez, on y va, chérie. On y va, là, déjà? On y va? Oui, on y va. Ouh. Ah, toi non plus, t'es... Ah, bah, voilà. Arroser à la main ou remplacer l'irrigation. Elle est mise à la garderie. Gain de performance petit. Bon, bah déjà, tout à l'heure, c'était petit, mais là, pour le coup, c'est... ok. Bon, bah, c'est bien. Si c'est petit, vaut mieux ça que voilà. Non, c'est rien. Je suis rentrée, ma fille aussi. J'ai été promue, pas ma fille. Oui, on a gagné de l'argent. On a 1034 Simflouz. Mais heureusement que je... Mais heureusement que je vais travailler. Ça me change ma vie, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse une journée de jargon? Tu veux que peut-être je fasse du jargon avec ma fille? On va la nourrir aussi. On ne sait jamais. Et elle grandit dans combien de temps? Là, maintenant, incessamment, sous peu, forcément. Tout de suite. Je ne l'ai pas changé. Non, je ne l'ai pas changé. Ou alors elle a bugué. Ok. Ça, c'est bon. Éducation, divertissement. Elle ne va pas bien. Mets tes écouteurs. On met les écouteurs. Oh, c'est bien, j'ai des sachets à chaque fois. Allumés. Disco moderne, ce que tu veux, on s'en fout. Ouh, j'ai même des arbres. Et on va venir tout récolter. Non, c'est pas récolter que je voulais, c'était vendre. Tout vendre. On récoltera la prochaine fois. Tout vendre. Et on va venir... Ah, oh, on peut désherber aussi. Tout arroser. Tout désherber, c'est bon. On a le temps que notre fille agrandisse. Et on va ouvrir notre sachet. Ah bah là, voilà, on est tranquille, hein, c'est bon. On la retrouve dans 3 jours. Elle aura eu 3 enfants. Non, pas du tout, elle aura rien fait. Par contre, ma fille va avoir faim. Hein. Oui, Nika. Angie. Elle a plus l'énergie, il faut qu'elle prenne un coup de jus. Non, 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 pas du tout. Elle n'a pas besoin du tout d'un coup de jus. Carrément pas. Par contre, c'est moi qui vais avoir besoin d'un coup de jus, là. Je commence à loucher. Allez, je veux juste... souhaite venir passer... J'allais dire oui. Oh là là. Sans voir ses besoins, ça stresse. Bah non, justement, ça stresse, c'est de les voir. Moins j'en vois, mieux je me porte. Surtout avec les bêtises que je fais, vaut mieux pas que je les vois. Allez. Ah ouais, chacun ses tocs, hein, c'est clair.
C'est vrai que toi, du coup, tu joues tout le temps avec les trucs ouverts. C'est la fortune. Oui. Oh, on l'a vu. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu au loin. Je me suis dit, c'est quoi ce truc qui marche? Il y a un bébé là-bas. Petronille a grandi. Bon, alors on la joue comme ça. Indépendante, c'est très bien. Par contre, oui, on n'aura pas l'aspiration. Les aspirations, on les choisira. Vous êtes prêts? J'ai mal aux yeux. Je dois dormir. Bonne nuit, Jalalina. Nous, on va aller voir la tête de notre bambin et après, on va y aller. Parce que de ce merde, il faut que j'arrête. J'ai un bobo à l'œil et du coup, je vois plus rien. J'ai très, très mal. Attention. La voici, la voilà. Coucou. Fermez les yeux. On regarde pas. Ah, putain, fermez les yeux. Attends, bouge pas. Eh non, mais attendez, elle est trop mignonne. Je crois qu'elle a la bouche de sa mère. Mais franchement. Oh, chouchou. Bah ouais, t'es en retard. J'aurais dû même avoir fini le live. Mais franchement, si tu regardes la rediff, je te dis rien. Donc, mais elle est choupie. Bon, après, attendez, hein, je pense que ça se voit pas trop. Si, il y a quand même un petit truc dans la bouche. Je pense que la bouche est très pincée, comme ça. J'ai pas de lunettes, hein, mais je pense qu'il va me falloir bientôt des lunettes, ouais. Non, ça va, on s'en sort pas trop mal. Elle est mignonne, hein, quand même. Elle est choupie. Eh ben, je suis pas mécontente d'y être retournée, d'avoir galéré, parce que ça aurait été con de passer à côté de notre petite patronille. Non, mais oh, elle est toute mimi. Bah ouais, elle est comme Cameron. Cameron aussi, c'est un métis. Du coup, c'est une belle petite métisse. C'est sûr que par rapport à maman, elle fait beaucoup plus colorée que maman. Hein. Maman, elle fait très très pâlotte. C'est limite un petit peu maladif, son blanc. C'est pas très joli. Enfin, ça pourrait passer si elle avait pas cette coupe de cheveux. Hein. Je crois que la coupe de cheveux, c'est pas top. Il faut absolument que j'achète des trucs pour bébé. Il faut absolument que j'achète une baignoire et un pot, je crois. Bon, bah, la baignoire, ça va être vite vu. Oh là là, ouais, mais c'est chiant. Hein. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait une douche quand même dedans. Mais là, si je fais ça à 845, je ne sais pas si ça va passer. Je vais déjà acheter pour bébé. Qu'est-ce qu'il faut pour bébé? Oh, mais il faut trop de trucs aussi. C'est où les pots? Hein, c'est là. Le plus petit, le moins cher, le tout pas beau. Eh ben, on va mettre un petit pot rose. Bon, écoutez, je pose ça pour le moment. Comme ça. Voilà. Je pose ça comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Un pot? Un lit? Oh là là, un lit pour bambin? Ok, le moins cher, c'est celui-là. Ah, il n'y a pas moins cher, il n'y avait pas les trucs pneumatiques? 200, même pas. Ok, donc le moins cher, c'est celui-ci. Voilà. Et là, maintenant, si je veux la baignoire, vends un peu d'herbe. Ah! J'avais pas pensé. Ça va, mais oui, la bouche à maman. Ouais, je crois qu'elle a la bouche, hein. Bah, j'ai vu des générations leaders où les bambins étaient vraiment... De base, t'as compris le problème, hein. Même bambin, c'était horrible. Oui, c'est déjà un bon début, ça y est, on a déjà compensé la peau blanche, ça c'est bien. Oui, elle a le style de maman. Bah, attends, telle mère, telle fille, en même temps, c'est sa mère qui l'habille un peu, hein. C'est pas elle qui a été faire les boutiques. Pelouse, bah, c'est la même chose, hein. Oui. Oui, de la pelouse, oui, on a bien compris, Tony, de la pelouse, on vend pas de l'herbe, n'importe quoi. Ah, j'ai dit patronille. Arrêtez. Bon, vous dites n'importe quoi, faut que je m'arrête, je vois plus rien. Je vois rien, faut que je baisse mes yeux. Bon, il y a Cassie Dileuse. On veut pas savoir ce qu'a fait Cassie. Hein. Bon, alors, écoutez, j'ai dit, j'achète une baignoire. Du coup, je peux me permettre d'acheter celle-ci. C'est bien, parce que c'est vrai qu'on pourrait, tout ça fait. Je crois qu'on va faire une salle de bain par là. Hein. Il va vraiment falloir qu'on fasse une salle de bain. Ou peut-être par là. Je sais pas, pour le moment, je pose les meubles.
je pose les meubles et je verrai après. Ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, j'ai peut-être de quoi lui acheter. On peut dégager un peu d'herbe. J'ai peut-être de quoi lui acheter. Qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Un jouet, non? Ouais, un nounours. On peut lui acheter un nounours. Donnez-moi un nounours et une tablette. Ça serait bien d'acheter une tablette. Ça coûte cher, les tablettes. Ouh bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va acheter une petite tablette. Voilà. Et une petite tablette rose. Non, une petite tablette noire. Non, une petite tablette rose. Eh bien écoute, chérie, ma chérie, il va falloir que tu t'habitues. Écoutez, je pense qu'on est bien là, hein? On est bien, non? Attendez, je vais quand même sauvegarder si jamais je fais une bêtise entre-temps. Je voudrais pas. J'ai rien oublié, c'est parfait. Ah, c'est bien. Alors si c'est parfait. Je suis rassurée et je pense qu'il est temps que je vous quitte. Parce que j'en pouvais plus. Ah, ce fut fort fun. Fort fun, fort stressant, fort tout. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Oula, Vanderwood Saint Jordan. Bonsoir et merci pour ton follow. Excusez-moi, j'étais en train de lire autre chose. Écoutez, ben, dans tous les cas, nous, on a fini et on va la retrouver ben, la semaine prochaine. Oui, vous êtes déjà en train de me dire merci. Non, mais je crois que j'ai fait un mini sommeil. Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait un mini sommeil. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour votre soutien, pour le petit train. On a eu une troisième petit train de la hype. C'est trop bien. Merci pour tout. Vous êtes trop mignons. Merci. Je vous souhaite un beau week-end, bonne nuit, profitez bien. Et merci, merci. Bleu, bleu, bleu. Ah, ça faisait longtemps. Bleu, bleu, bleu. Merci, merci. Encore une fois, j'arrête pas de dire merci. Non, je suis fatiguée. Franchement, ce live m'a tué. Ce live m'a achevé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Des bisous. Ciao, ciao. Faut le temps que je parte après. Hein. Vous avez le temps.